Bonjour à tous et bienvenue sur le live Demo 5. Alors aujourd'hui, un live qui sera consacré au récap de l'actualité, un récap relativement court quand même cette semaine, puisqu'on va passer la majeure partie de l'émission du coup à parler de Homebrew sur Lynx avec nos deux invités ici présents. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Lord Kraken. Salut Lord Kraken. Salut. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Docteur Ludos. Salut, la forme? Très bien, mais oui, et vous? Eh ben, Bonjour à tous. ouais, on a bien la pêche. On a également du coup Guillaume, salut pour Oui, le salut. Guillaume, Alors donc moi j'ai moins la pêche, mais j'ai une boisson chaude avec mon mug avec l'ancien logo MO5.com, c'est collector. Ah, il faut mettre le nouveau, attention. Et donc, du coup, on va parler, ouais, comme je disais, Homebrew sur Lynx et Recap News. Et je vous propose de commencer par le récap des news. Alors, un récap des news, comme je disais en intro, relativement condensé, quoi, hein, Guillaume, hein, si Oh ouais. tu confirmes. On commence par du Metal Slug sur Ouais, tout à SK. fait. Faut dire, le dernier live remonte à 2 semaines. Alors, il y a eu quand même de l'actualité depuis, mais pas forcément beaucoup de choses à ajouter. Alors, c'est vrai que ça a été un petit peu. Ça a quand même fait un gros carton, cette news, parce qu'évidemment, ça a un petit peu détruit la fabrique de l'espace-temps, surtout pour les amigaïstes. Attention, Metal Slug qui tourne sur un Atari ST, c'est pas possible. Il y a forcément, ils ont tout de suite exigé un recomptage manuel. Alors, il faut justement un petit peu, comment dire, nuancer la prouesse. En fait, c'est surtout. Bon, évidemment, c'est avant tout une démo technique. Il est évident que juste pour une question de travail que ça représente, hein, parce que Metal Slug, c'est quand même pas un petit jeu, c'est plus une démo technique, même s'il compte quand même essayer de faire au moins le premier niveau en entier. Du coup, c'est jouable ou comment ça se passe? C'est jouable, hein, il y a une démo qui est disponible. Bon, on voit au niveau des collisions, là, il se prend les bombes, ça lui fait rien, hein, donc c'est sûr que c'est pas tout à fait, ça se comporte pas tout à fait comme le vrai jeu. Et puis voilà, il n'y a pas autant, peut-être pas autant de sprites à l'écran. En fait, c'était surtout pour tester, parce qu'à la base, il s'est mis en fait au développement vraiment assez récemment, et c'était surtout pour tester un framework dont le nom, je vais le retrouver tout de suite, c'est AGT pour Atari Game Tools. Ouais. Et pour montrer que voilà, ce framework permet de faire des choses quand même super bien sur Atari ST-E. Alors, il faut bien préciser Atari ST-E, c'est très important, puisque c'est un modèle qui est sorti à la fin des années 80, 89 si je ne dis pas de bêtises, qui était censé être évidemment compenser un petit peu les lacunes de l'Atari ST, notamment par rapport à l'Amiga. D'ailleurs, on rappelle qu'on a fait un live, hein, du coup sur l'Atari ST, et donc Tout à fait, on et vous sur renvoie l'Amiga vers ce aussi, les dernier. deux. Tout à fait. Bon, l'Atari ST-E, le E, en fait, ça veut dire extensible, enfin, enhanced, ou je ne sais plus trop, enfin, bon, vous comprenez l'idée. Et notamment, une de ses capacités, bon, outre des processeurs, notamment un Blitter pour faciliter tout ce qui est graphique, c'est qu'on pouvait étendre la RAM. Néanmoins, en fin de compte, par défaut, le 520, enfin, le STE était vendu en 520 STE et en 1040 STE, exactement comme le STF. Donc, qui ont respectivement 512 kilo-octets de RAM et 1 méga de RAM. Bon, ils ont arrondi, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, en fait, il a étendu la RAM de son Atari ST-E à 4 mégas. Donc, c'est quand même entre 4 et 8 fois plus que la RAM d'origine. Et ce que je veux dire, c'est que même si le ST-E était conçu pour pouvoir étendre la RAM, il est bien évident que ça n'aurait pas été du tout viable économiquement à l'époque de sortir un jeu qui nécessitait d'avoir 4 à 8 fois plus de RAM Oui, parce que ce que qu'il y a par personne n'aurait défaut, eu ce quoi. qu'il fallait pour l'exécuter, Voilà. et du coup, ça De serait toute pas façon, vendu, quoi. de manière générale, quand l'Atari ST-E est sorti, de toute façon, c'était un petit peu trop tard. Et la plupart des. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui ont vraiment exploité l'Atari ST-E. C'est bien le problème. C'est que finalement. Les jeux qui sont sortis étaient toujours conçus pour tourner sur Atari ST, et donc c'est un petit peu la frustration des développeurs. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de développement Homebrew sur ST-E et Falcon. C'est que finalement le potentiel entre guillemets du ST-E n'a pas du tout été exploité. Alors que les Amiga qui étaient dès le départ conçus pour être beaucoup plus avec beaucoup de modèles différents, des puissances différentes, des RAM différentes, c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué sur Amiga. Que les Homebrew nécessitent beaucoup plus de RAM, voire des cartes graphiques, des trucs de malade. C'est beaucoup plus courant, quoi. En tout cas, Mais super impressionnant quand même, hein, qui plus est pour une personne qui a priori débute, comme tu l'as dit.
Voilà. C'est assez ouf quand même, franchement, c'est vraiment un sacré boulot, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut être aussi un peu prudent parce que par le passé, j'ai évoqué pas mal de développement sur Atari ST. Notamment, il y avait un portage de Ghouls and Ghosts, il y avait un portage de R-Type, de Raiden, de Outrun, etc. Et en fin de compte, ces trucs n'ont jamais, à ma connaissance, n'ont jamais été terminés. Donc, je crois que j'ai vu que la Outrun, il s'y était peut-être remis, mais bon, c'est clair que ça avance très très lentement. Donc, voilà, faut pas non plus espérer le jeu en boîte d'ici la fin de l'année. Ça me paraît peu probable, malheureusement. Yes, on passe à la deuxième news du coup de la semaine. Ouais. The Spectre Files. Alors ça, c'est assez particulier parce que c'est surtout pour dire, enfin, je le disais dans l'article, mais pour vraiment accentuer, pour montrer à quel point on peut découvrir des trucs totalement par hasard. C'est-à-dire que bon, il faut savoir que tous les matins, moi, je fais un tour de Steam, sachant que sur Steam, tous les jours, il y a facilement une cinquantaine de nouveautés. Hein, et c'est pas toujours évident de repérer quelles sont les nouveautés rétro. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, je crois, printemps 2018, maintenant, quand on passe son curseur sur les vignettes des jeux, on a un petit pop-up avec le défilé des screenshots, mais ce n'était pas le cas autrefois. Et du coup, il fallait presque ouvrir dans un autre onglet pour voir à quoi ressemblait le jeu, pour voir s'il était rétro ou pas. Et donc tout ça pour dire que j'ai dit que ce jeu-là, honnêtement, quand j'ai vu la vignette, je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'ai vite vu que c'était de la full motion vidéo, mais des jeux en full motion vidéo, ça ressort actuellement. Bon, ça relève à peu près la ligne éditoriale du mag, mais il y en a quand même beaucoup, donc c'est quand même un petit peu délicat de parler de tous. Et puis en fait, en creusant le truc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce jeu... il aurait dû sortir, je crois, en fait, théoriquement en 85. Et donc, c'est un jeu d'arcade qui a été créé par le créateur de Rampage, hein, de Brian Collin. Il aurait dû sortir sur quoi, tu sais ? Il aurait dû sortir en arcade. Alors, c'est assez particulier parce que en arcade, on avait des jeux basés sur le laserdisc, hein, évidemment, Dragon's Lair et compagnie. Ouais. Là, ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment un jeu d'aventure. Avec des choix, un peu un livre dont vous êtes le héros, avec des choix de scénaristiques et plusieurs fins. Donc c'est ça qui est assez bizarre, c'est que c'est pas forcément un jeu d'arcade dans le principe, mais il était vraiment fait pour l'arcade. Donc ce qui s'est passé en fait rapidement, c'est que ils ont tourné toutes les vidéos, ça leur a pris quand même près de 8 mois. Hein. Il faut savoir qu'en fait Brian Collin, en fait, c'était dans sa jeunesse, il avait étudié le cinéma, hein, donc c'était vraiment un fondu de cinéma. De toute façon, enfin, on voit dans Rampage hein, qu'il est assez fan de vieux films d'horreur. Mmh. Et donc, il avait tourné ça avec l'aide d'autres étudiants en cinéma. Ça a été fait avec très, très peu de moyens. C'était tourné dans un vrai asile désaffecté, hein, quand même. Enfin, un vrai hôpital psychiatrique, non chauffé. Mais c'était fait vraiment avec très, très peu de budget. Et le gros problème, en fait, c'est que Bally Midway, en fait, en 83, a sorti un jeu qui s'appelle NFL Football. Alors, basé non pas sur le laserdisc, mais sur une autre technologie vidéo, on va dire. Et en fait, ce jeu a été extrêmement critiqué. En fait, la technologie n'était pas très au point, et donc ça leur a donné mauvaise réputation. Et du coup, ils ont complètement annulé tous les projets de développement de jeux basés sur la full motion vidéo, quoi. Donc, qui de toute façon ce n'est revenu à la mode qu'au début des années 90, mais pas du tout en arcade. Okay. Enfin, ils n'en ont pas. Donc voilà. Et depuis, alors j'ai pas rajouté à l'article, mais le Brian Collin en fait sur Facebook a gentiment posté le lien d'un article qui raconte vraiment toute l'histoire du jeu détaillée. Alors c'est vraiment très très long. J'ai surveillé l'article hein, parce que ça raconte vraiment presque toute sa carrière et comment ça s'est fait et comment le jeu a été restauré, puisque en fait le jeu a d'abord été restauré en arcade en fin 2018. Et donc là, il vient de sortir sur Steam, mais à la base, il est sorti sur quelques bandes d'arcade, évidemment aux États-Unis. Hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même pratique qu'il soit sur Steam, parce que je pense qu'on aurait quand même beaucoup de mal, malheureusement, à jouer aux jeux d'arcade. Donc il avait été quand même fini à l'époque et publié, quoi. Ça n'a pas été fini à posteriori, à partir des rushs. Non, ce qui avait été juste fini, c'était juste les vidéos, en fait. Mais il avait égaré, justement, le script et tout. En fait, ils ont quand même développé le jeu, mais bon, encore une fois, c'est assez simple puisque c'est vraiment un jeu avec des choix multiples, quoi. Donc, fallait juste retrouver quelle vidéo allait où, parce qu'eux, ils avaient juste leur rush un petit peu en vrac, puisqu'il avait un peu, je crois qu'il avait égaré le script. Mais ouais, en fait, non, le jeu, ils l'ont développé récemment, mais
évidemment, ce genre de jeu, ce qui est avant tout important, c'est toutes les vidéos, tout le film, quoi. Parce qu'il y a quand même, je crois, 80 minutes de film en tout, ce qui est quand même pas mal. Ça marche. Bon, bah, du coup, on va passer au dossier de la scène Homebrew avec Lord Kraken et Dr. Ludos. Vous voulez qu'on commence peut-être rapidement par un petit historique de comment ça a commencé, le dev Homebrew sur Lynx ou pas ? Ou avec Guillaume, là, peut-être pour le coup, si tu veux faire une mini-intro. Bah, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire un peu une espèce d'historique de la scène Homebrew Lynx, celle que j'ai découvert. Il y aura sans doute beaucoup de lacunes. Je vais me faire probablement gueuler. Parce que j'ai un peu découvert des choses au fur et à mesure. Ce que je voulais commencer par faire, c'est répondre à une question très classique, et je pense que nos invités pourront donner leur avis, parce que c'est un peu la question qu'on pose à chaque fois qu'on parle de jeux Homebrew, c'est mais pourquoi les gens sortent des jeux Homebrew sur cette machine-là plutôt qu'une autre ? Et effectivement, la question peut se poser pour la Lynx, qui n'est pas une console extrêmement populaire. Alors bon, après, il y a beaucoup de Homebrew Game Boy, hein, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, mais... Pourquoi la Lynx ? Alors, en fait, il y a deux grandes familles de raisons. Les raisons purement pratiques et les raisons plus affectives. Et alors, dans les raisons purement pratiques, il y en a des plus ou moins importantes. La plus importante, pour moi, la raison numéro un, c'est, et ça, je pense que nos invités vont le confirmer, c'est l'existence de kits de développement ou d'outils, tout simplement, pour développer dessus. C'est ce qui explique notamment que, par exemple, une console comme la ColecoVision, qui n'est pas un grand succès de l'histoire du jeu vidéo, a une scène Homebrew de malade avec 3 ou 4 éditeurs assez importants, parce qu'il y a eu très tôt des outils très efficaces pour. Et voilà, je pense que, enfin, nos invités, je pense que s'ils ont travaillé dessus, c'est parce qu'ils ont eu accès à des outils. On a déjà la réponse de Dragi Bustier du coup dans le chat qui dit que c'était la seule console qu'il ait possédée au moment où il s'y est mis, voilà. Et vous du coup, vous deux, qu'est-ce qui vous a poussé à justement vous mettre sur Lynx plutôt qu'une autre plateforme ? Ouais, c'est dur de répartir les tours de parole. Bon, désolé que Lord Kraken, je réponds en premier. Pourtant, je pense que c'est toi qui as plus d'expérience que moi sur la Lynx. Alors, en deux mots, alors c'est pas une console que j'ai eu enfant, mais mon meilleur ami en avait une, donc j'ai pu y jouer chez lui. Tu as connu à l'époque, quoi. Voilà, j'ai quand même connu à l'époque. Moi, j'avais une Game Boy, lui avait une Lynx. Pour être honnête, j'ai pas une énorme part affective sur la Lynx, mais je trouve que c'est une console très intéressante. Non, moi, je serais plutôt dans ce qu'évoquait Guillaume, la deuxième raison. Alors, deux aspects. Déjà, effectivement, le fait qu'il y ait des outils, des kits de développement accessibles. Alors, d'une part, logiciel, on peut programmer en C, on peut convertir des images de format moderne, style PMG, pour voilà, l'afficher sur la console assez simplement, etc. Mmh. Et aussi l'existence de matériel. Il y a maintenant plein de cartouches qui permettent de mettre son jeu qu'on est en train de créer sur une carte SD, le brancher dans la cartouche, le mettre dans la console et le tester en direct, ce qui est très très pratique pour bah, donc les Everdrive quoi. Des Everdrive. Alors c'est pas des Everdrive pour Lynx, c'est d'autres marques et d'autres fabricants. Pour voilà, on a la Lynx GD et la Gacart qui sont deux cartouches, les deux principales cartouches en tout cas à base de carte SD. Et ce que je trouve aussi, c'est que c'est une console qui est extrêmement intéressante par rapport, bah, par exemple, à la Game Boy et la Game Gear. C'est une console qui est vraiment unique dans sa manière de fonctionner. Elle est très, très puissante hein, en termes de capacité graphique. Donc, en tant que développeur amateur, c'est un vrai plaisir de travailler sur ce genre de machine. D'accord. Juste rapidement, le coût des kits de dev, faut compter combien pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre ? Le plus cher, c'est d'acheter la Lynx, je pense, sur le prix du marché. Mais sinon, les prix des cartouches... Alors, il y a d'autres options, je pense. Ben, Lord Kraken, voilà, pourra montrer encore d'autres options qui existent, mais sur les cartouches carte SD, ça va se monter. De mémoire, la Gacart, c'est 60 euros. Et la Lynx GD, de mémoire, elle est un peu plus chère. Donc, ça vient d'Angleterre. Ça doit revenir à quelque chose comme 80 euros, je pense. Donc, voilà, c'est quand même un investissement. Mais c'est moins cher qu'une Lynx et c'est quand même très pratique hein, que ce soit pour jouer ou pour développer. Carrément. Et toi Lord Kraken, du coup les raisons du choix de cette plateforme pour le coup? Alors pour moi il y a trois raisons. Bon, la première elle est essentiellement affective. C'est la première console que j'ai eue. J'étais un enfant de l'Amstrad comme beaucoup de Français je pense, et puis un jour je tombais sur cette console et tout le monde était Game Boy, Game Gear et je me suis dit mince, ça a l'air quand même plus sympa, quoi. Et j'avais halluciné déjà à l'époque, j'avais quoi, 10 ans, sur le fait que tu as des jeux genre Blue Lightning qui te montrent des effets de zoom en hardware qui sont super fluides. Enfin, c'est un truc,
c'est peut-être idiot, mais à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné. Je me suis dit, cette console, elle a un truc en plus. Donc, je l'avais pris. Blue Lightning, donc, qui était un jeu de d'avion, quoi, en fait. Enfin, tu dirigeais un chasseur, quoi. Ouais, c'est ça. C'était leur réponse à Top Gun. Enfin, non, pas Top Gun, excuse-moi. Afterburner. Voilà. Ouais. C'est l'équivalent, mais c'est. Si tu compares la version Lynx et n'importe quelle version de Afterburner 8.8, il n'y a pas photo. Enfin, techniquement, c'est très, très impressionnant, quoi. Même encore aujourd'hui. Donc voilà, donc j'étais parti sur cette console. Bon, clairement, la ludothèque, il y a des jeux que j'adore, hein, mais il y a un mot en anglais qui est quirky, bizarre. Moi, c'est comme ça que je vois la ludothèque de la Lynx. Il y a beaucoup de jeux un peu bizarres, mais en fait, moi, ça me plaît bien. Donc, j'avais accroché à l'époque. Et forcément, quand je me suis remis, bah, c'était le choix évident. Et puis surtout, il y a deux autres raisons très simples, hein, donc c'est ce que Dr. Liu a déjà énoncé, les kits de développement sont relativement abordables, mais surtout très très simples d'utilisation. Je pourrais expliquer rapidement, hein, j'ai le matériel juste à côté de moi. Mmh. Mais sinon, il y a une dernière raison, et je pense que c'est ce qui moi m'a fait vraiment m'a poussé à m'y intéresser vraiment de très près, c'est que on peut développer en C. Et ça a l'air de rien comme ça, mais si on veut faire du rétro gaming, il est quasiment obligatoire d'avoir de très bonnes connaissances en assembleur. Récemment, il y a de plus en plus de compilateurs C. Alors, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais n'importe quel programmeur de jeux vidéo ou programmeur tout court actuel va coder dans des langages de haut niveau. Et en général, même C, c'est déjà un peu trop bas niveau. Et il faut s'imaginer que l'assembleur, on est très proche du langage machine, et ça, c'est quelque chose qui se perd. Les développeurs des années 80-90, pour eux, c'était l'évidence. Pour nous aujourd'hui, et bon, je ne suis pas très, très jeune, hein, mais pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait vraiment plus. On n'en a pas besoin dans nos carrières professionnelles. Et ça met une barre quand même assez haute. Hein, c'est-à-dire que pour apprendre l'assembleur, bon, c'est une chose, hein, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais pour l'utiliser, développer un jeu complet derrière, enfin, c'est le niveau d'implication qu'on doit mettre est vraiment très élevé. Pouvoir coder en C avec un compilateur plutôt correct, ça rend l'expérience complètement fun. Voilà, c'est simplement ça, quoi. On peut vraiment se concentrer sur le jeu. Et en assembleur, c'était peut-être plus optimisé aussi si tu codais directement quasiment en langage machine, non ? Alors clairement, tu vois, par exemple, enfin, on va parler des jeux en boue qui viennent derrière. Les jeux les plus impressionnants techniquement, bon, à part ceux qui grugent un petit peu, genre moi, ce que j'ai fait pour mon jeu, mais genre Mortal Kombat et Serious Adventure, pour moi, c'est clair que c'est des jeux qui ont été codés entièrement en assembleur. Mortal Kombat, par exemple, il a plus de 16 couleurs à l'écran, donc il y a des techniques de clignotement de pixels. Ouais. Comment ? Où tu as les pixels qui clignotent une couleur sur deux pour avoir la couleur intermédiaire ou ce genre de choses ou... Non, en fait, en général, la technique la plus utilisée, c'est en fait, quand l'écran est dessiné, il est dessiné ligne horizontale après ligne horizontale. En fait, à la fin de chaque ligne, on change très rapidement la palette de couleurs. Et donc, wow. On dit à la console, maintenant, tu utilises 16 nouvelles couleurs. Et donc, comme ça, on peut gruger. Bon, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et si on ne fait pas en assembleur, ça ne va pas fonctionner très bien. Ça va ramer, il va avoir du clignotement, etc. Voilà. Donc, mais sinon, tous les jeux, enfin, donc à part ces quelques exceptions-là, je pense que tous les gens qui développent à l'heure actuelle sur Lynx développent en C. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui met la barre d'entrée relativement basse. Voilà. Donc, tu as ton kit là, tu peux nous montrer le kit de dev un peu à quoi ça ressemble ? Alors, ok, je voulais donner d'abord peut-être une précision sur les kits de développement. Dr. Ludo a mentionné donc la Agecart et la Lynx GD. La Lynx GD, c'est fait par un gars qui s'appelle RetroHQ. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs. Mais avant de faire en fait la Lynx GD, il avait fait la... la Lynx SD. Donc, c'est une carte simple avec une carte SD. Mais en fait, avant ça, il y avait les flashcards. Donc les flashcards, c'était un PCB avec un composant attaché. En fait, on ne pouvait mettre qu'une ROM à la fois. Mais depuis que les cartes SD sont arrivées, donc celle-là, la première, elle doit avoir 5 ans, 6 ans peut-être. Il y a un petit menu, on peut mettre autant de ROM qu'on veut, etc. Alors évidemment, pour celui qui veut pirater les jeux, ça n'a pas grand intérêt aujourd'hui, mais c'est faisable. Mais pour nous, développeurs, c'est
c'est super, super pratique parce que du coup, tu prends ta carte SD, tu la mets dans ton ordi et hop, c'est réglé, quoi. Voilà. Après, derrière ça, ce qu'on a en tant que développeur, donc ça, je peux montrer ça rapidement, c'est, c'est tout simplement un programmeur pour la Lynx. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien avec la lumière qui n'est pas géniale chez moi. Donc, on a tout simplement un Raspberry Pi hein, sur lequel on met un programmeur. Donc, voilà, c'est un truc tout bête. Hein. C'est un PCB. C'est fait par un Australien. Je ne me rappelle plus. Igor Kromin, donc qui est à l'origine du site web Atari Gamer, qui est le site de référence de la Lynx pour le moment, peut-être de la Jaguar un autre jour. Et donc, en fait, quand on a ça connecté sur un Raspberry Pi, on se connecte sur le Raspberry, interface Linux, il y a une petite ligne de commande, et on flash des PCB qu'on peut commander en ligne à Kari Kaksonen, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un Finlandais qui est probablement le plus vieux développeur en bout de la Lynx, le pape de la Lynx, on l'appelle. Voilà, donc on commande des PCB comme ça. Donc il y a 5 PCB collés les unes aux autres. On fait une petite pression, on la casse. Et avec la PCB qu'on a, en fait, je peux montrer ça puisque je vais en avoir une ici sur ma Lynx. Ça fait plusieurs cartouches, voilà. Quoi, en fait. Voilà, donc là, par exemple, sur celle-là que j'ai montré, il y a 5 PCB, donc il y a la possibilité de flasher 5 jeux là-dessus. Ouais. Et en fait, l'idée ici, c'est, bon, c'est flashable, c'est, comment on dit en français, réécrivable. Donc, l'idée, c'est de flasher ton jeu final là-dessus, et puis d'imprimer en 3D une cartouche Lynx, sur laquelle tu vas mettre ton PCB comme ça. Voilà, et par-dessus, bah, tu mets un petit sticker que tu imprimes même sur ton imprimante, hein, et voilà, tu as une cartouche quasiment officielle de ton jeu. Quoi. Et voilà. Et donc, pour conclure, voilà, l'environnement complet de la chaîne de production, en fait, peut être maîtrisé par un développeur, c'est-à-dire de coder ton jeu de façon relativement simple avec des outils faciles à utiliser, jusqu'à produire ton jeu sur cartouche. Donc, voilà. Pour en venir rapidement à l'historique, du coup, c'est à quel moment qu'on voit apparaître le premier kit de dev ? Alors, kit de dev pas professionnel, je parle d'un kit de dev homebrew, quoi. Juste deux secondes, Polo, je voulais revenir sur les raisons, parce que il en a évoqué du coup une autre. Pour les raisons pratiques, en fait, il y a, donc, comme je disais, il y a la présence d'outils. Alors, il y a aussi une raison qui est moins importante, mais alors justement, là, on l'a quand même vu, c'est le support. Parce que pendant longtemps, effectivement, le fait de ne pas avoir accès à des cartouches, ça pouvait poser problème. Et on sait que, par exemple, pendant très longtemps, le homebrew sur PC Engine se faisait plutôt sur CD-ROM, par exemple, parce que c'est que depuis récemment qu'on a réussi à créer des nouvelles UCARD. Mais par exemple, sur Jaguar, le problème, c'est que le jack CD, c'est pas très, très courant. Donc, même s'il y a eu des homebrew sur jack CD, c'est vrai que, heureusement, comme maintenant, on peut faire des cartouches. Ça permet de enfin ça aiguille en tout cas le choix des machines. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est le fait que, et il l'a dit aussi, c'est que comme justement toute la chaîne peut être maîtrisée par une seule personne, en fait ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le homebrew, très souvent les jeux sont créés par une seule personne ou par très peu de personnes, mais souvent une seule personne, et c'est souvent un programmeur et non un graphiste. Ce qui fait que forcément ça va être des jeux, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de portages dans le homebrew. Les gens se plaignent souvent, mais pourquoi il n'y a pas plus de jeux originaux? Bah oui, mais parce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut créer des graphismes originaux et créer un concept original, ce qui n'est pas à la portée de tous. Et c'est aussi pour ça que, évidemment, ça favorise les machines moins performantes, même, et en particulier les machines pré-NES, parce que, évidemment, graphiquement, on a moins d'attentes d'un jeu à taille 2600 que d'un jeu, jeu Neo Geo, quoi. Et sur les raisons affectives, bien sûr, il y a la popularité, est-ce que les gens ont eu la console quand ils étaient petits, etc. Mais ce qu'on remarque vachement, ce qui est assez typique du homebrew, je trouve, c'est cette manière qu'ont les développeurs de réparer les injustices. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte que il y a des scènes homebrew très actives sur ColecoVision, sur Jaguar, sur Lynx, sur Atari 7800. Sur Vectrex, c'est-à-dire des machines qui n'ont pas eu de succès à l'époque. Et justement, d'un côté, c'est plus facile. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi, encore une fois, qu'on voit beaucoup de portages. Parce que comme c'est des consoles qui ont été mal desservies à l'époque, bah, du coup, on peut faire des portages de jeux d'arcade auxquels elles n'ont pas eu droit, bah, comme Mortal Kombat, hein, justement, qu'on a vu.
qu'on a vu passer. Justement, ça permet de réparer finalement ces injustices. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, une console comme l'Atari 7800, je crois, a plus de homebrew que de jeux officiels. Non, mais c'est incroyable ça, franchement. Sur Coleco, il y en a énormément aussi, hein, tu en parlais. Sur ColecoVision, c'est possible aussi que ça ait dépassé parce que, voilà, comme je dis, il y a quatre gros éditeurs sur ColecoVision, mais voilà, c'est des consoles comme la Vectrex qui ont été vraiment victimes du crack. Donc, justement, les gens sont plus motivés. Alors que c'est sûr qu'arriver sur Neo Geo et dire je vais faire le nouveau Metal Slug, bon, il y en a qui l'ont fait justement, mais enfin qui ont essayé. Mais c'est vrai que c'est assez, c'est tout de suite beaucoup plus casse-gueule, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce qui explique qu'il y a une scène Lynx assez active, parce que c'est vraiment une console qui est justement qui a un statut culte du fait qu'elle a peut-être pas forcément par rapport à la Game Boy en tout cas pas forcément eu ce succès là, et peut-être que c'était pas mérité vu que justement c'était une console 16 bits qu'elle était relativement performante. Ouais, donc d'ailleurs on voit le Mortal Kombat là en arrière-plan qui est la version, enfin qui est une version Lynx, c'est impressionnant quoi, franchement. C'est vraiment une machine qui avait des capacités, quoi, très clairement. Donc ça, ça a été présenté lors de la Silly Venture, qui est une convention orientée Atari qui a lieu chaque année. Enfin, cette année, peut-être pas de manière normale. C'était pas le vainqueur. Cela dit, Mortal Kombat n'était pas le gagnant. Le gagnant, c'est Silas Adventure, qu'on a aussi en vidéo. Il faut savoir qu'évidemment, l'année dernière, c'était les 30 ans de la Lynx. Donc c'est vrai que ça a été assez fou parce que y a Atari Gamer qui a organisé son premier concours avec 11 jeux et puis donc la Silly Venture où il y a eu aussi quand même pas mal de participants et des jeux assez impressionnants, ce qui fait que par contraste évidemment cette année le concours Atari Gamer a un petit peu déçu puisqu'au final il y a eu que 6 jeux mais qui étaient quand même de très bon niveau, enfin je veux dire c'était quand même très très honnête. Mais c'est vrai que enfin voilà il y a eu une effervescence quand même très récente. Mais c'est ce qu'on va voir à présent. En fin de compte, la scène homebrew Lynx, c'est assez ancienne. Même si, au départ, c'était un petit peu à mi-chemin entre le homebrew et la diffusion de... Donc là, on doit voir Silas Adventure. Ouais. On va, de toute façon, c'est pas grave, on va le voir pendant que je vais présenter la suite. Donc... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène homebrew Lynx, elle a commencé vraiment dès le début des années 90, en fin de compte, dès que la console a commencé à péricliter en fait, un peu commercialement. Ça a commencé en Allemagne. C'est alors deux personnes, alors surtout Bastian Schick et alors son collègue. Alors il cite souvent un Lars, sans citer son nom de famille. Alors, je crois que c'est Lars Baumstark, par élimination, mais si je dis une bêtise, c'en est peut-être une. Et en fait, c'est notamment le fameux Lars Baumstark qui a commencé en fait, à un peu démonter sa console, démonter sa Lynx pour essayer un peu de la rétro-ingénierer et de voir comment elle est conçue pour pouvoir créer éventuellement de nouveaux jeux dessus. Mm-hmm. Et alors, c'est ce qui s'est passé. En fait, Bastian Schick, en fait, il a commencé, alors assez étonnamment, il a commencé par travailler sur un... Alors déjà, ils ont commencé par créer... pas tout à fait un kit de développement, mais un outil qui permettait, des librairies et en même temps un outil qui permettait de transférer justement son programme sur la console, puisque à l'époque il n'y avait pas justement toutes les outils qu'on a vus à l'instant, les flashcards ou les outils type Raspberry Pi, etc. Et donc il a créé des librairies qui s'appelle BLL. Alors BLL, ça veut dire Beyond Lynx Lines, Behind Lynx Lines, pardon. C'est en fait en référence à un kit pour la Jaguar qui s'appelait BJL pour Behind Jaguar Lines. Donc voilà, c'était évidemment la scène homebrew Jaguar et Lynx sont très très liés, hein, puisque évidemment ce sont les fans d'Atari et notamment en Allemagne où l'Atari ST était très très populaire. Et grâce à cette librairie, en fait, Bastian Schick a commencé par développer un logiciel pour un cours d'auto-école, en fait, qui s'appelle Pete's Driving School. Et apparemment, il l'a sorti. C'était vraiment un jeu commercial. Hein. Apparemment, le jeu est sorti en 94. Cela dit, bon, il a l'air de dire que ça n'a pas été un gros succès, ce qui peut se comprendre, hein, parce que c'est pas forcément ce qui excite le plus
les joueurs, mais en fait, très, très rapidement, il s'est lancé sur un autre projet qui était, en fait, évidemment, c'était la grosse frustration de la Lynx, quand je parlais de réparer les injustices, c'est qu'évidemment, le gros succès de la Game Boy, c'est que bah, elle avait Tetris. Et bah, donc, lui, il a créé son oui. Tetris. Alors là, j'ai pas de vidéo, mais on a une image voilà, de la carte. Mm-hmm. Donc voilà, à l'époque, encore une fois, on n'avait pas encore des cartouches imprimées en 3D, donc c'était très rudimentaire, hein, le manuel imprimé et plié sur une photocopie. Alors évidemment, en allemand, ça marche mieux Tetris, hein, parce qu'en anglais, on a plutôt tendance à lire Tetris, donc ça marche moins bien. Et donc, bien sûr, c'était un clone de Tetris. Et mine de rien, ce Tetris, c'est apparemment le premier jeu Lynx qui bénéficiait de sauvegarde, selon lui. Donc, ce qui voudrait dire qu'aucun jeu commerciaux ne l'avait fait auparavant. Lord Kraken, tu confirmes ? Il n'y avait pas de jeu qui avait des sauvegardes sur Lynx à l'époque, toi qui as pas mal pratiqué ? Il me semble que non, hein, personnellement. J'ai jamais vu un jeu avec sauvegarde. Non, il me semble que c'était justement une des forces de son kit, quoi. Enfin, de BLL. Ok. Justement, je me demandais un truc. Toi, tu as dû te racheter une Lynx finalement ou tu as pu exhumer celle que tu avais quand tu étais gamin ? Non, je m'en suis racheté pas qu'une, mais trois ou quatre en fait. Ok, d'accord. C'est une collection de Lynx à la maison, quoi, du coup. Bah, j'avais ma Lynx d'origine qui ne fonctionnait plus, mais que j'avais gardée par pure nostalgie. Donc, j'en ai racheté une déjà de base pour rejoindre un peu au jeu, pour me remettre dedans. Et puis, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. C'est que la Lynx est sortie. Il y a deux versions de la Lynx qui sont sorties, qui sont oui. très différentes. Et celle qui, je pense, était le plus distribuée en Europe, c'était la Lynx 2. Et j'ai les deux là, alors je sais pas si ça on va bien voir. Là, on va peut-être voilà, tenir à l'écran. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, que la Lynx avait quand même une grosse originalité, c'était de pouvoir être joué bah, dans les deux sens, quoi. C'était une console ambidextre. Ouais. Enfin, ambidextre. Tu pouvais jouer, oui, enfin, tu pouvais retourner les boutons, enfin, mettre le pad directionnel à gauche ou à droite, quoi, en fait. Du coup, en termes de dev, par contre, sur les deux machines, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de particularité. Hein. C'est vraiment les mêmes. Les jeux s'exécutent de la même manière sur l'une ou sur l'autre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ouais. Tout est identique, hormis le fait que la Lynx 2 aurait un support stéréo. Mais alors, honnêtement, c'est un truc auquel je me suis jamais. Dragibus. Un support stéréo quand on met le casque. Ouais, Dragibustier qui dit donc son mono sur la Lynx. Il n'y a pas aussi une histoire sur la forme des cartouches et la fameuse languette Non, ça c'est. Alors la languette, c'est à cause de la Lynx 1, justement. Parce que alors, si on regarde là, je vais voir si ça se voit à peu près. Donc en fait, sur la Lynx 1, et ça, comme elle est moins connue, les gens ne savent peut-être pas ça, il y a une sorte de trappe qu'on ouvre comme ça. C'est un petit peu foncé, on ne voit pas trop. Mais bref, et en fait, dans cette trappe, on met la cartouche. Donc là, par exemple, ma cartouche de développement est complètement plate. Donc on la glisse là-dedans et le problème c'est que c'est l'espace est assez limité et c'est vraiment une galère pour la sortie. Donc la languette a été faite, enfin a été ajoutée sur la deuxième génération de jeux pour cette raison. D'accord. Et d'ailleurs si on collectionne les jeux Lynx, enfin voilà le vrai full set c'est d'avoir les jeux qui ont été édités dans les deux formats de cartouches différentes. Donc tu as un format de cartouche avec languette et un format sans quoi. Ouais exactement. Ouais. Ok. Mais ça fait aucune différence, hein. C'est juste un peu de plastique qui est rajouté dessus. Mais si t'as pas la languette, tu galères pour retirer les consoles, les cartouches de la version 2, quoi. Oui, c'est oui. ça Même sur la 2, tu galères sur les deux consoles, en fait. Donc, Excellent. Okay. D'où l'Evercade, qui est un hommage à la Lynx et ses cartouches. Il faut un tuto pour retirer les cartouches. Bah, au moins, tu n'avais pas à démonter la coque de la console comme sur... Sur N-Gage. Célèbre N-Gage. Voilà. Oh là là. Oui, tu avais oublié ce moment douloureux. Mais pour en revenir en fait aux sauvegardes, il y a un exemple aussi qui est assez connu pour ça, c'est que à cause de l'absence de sauvegarde, c'est qu'il y a un des jeux un peu culte de la Lynx qui est le Dracula Unleashed de Handmade Software, si je dis pas de bêtises, ou c'est Dracula tout court, je disais une connerie. C'est Dracula tout court. Qui est un bon, qui est un point and click, et en fin de compte, le jeu aurait dû être beaucoup plus long. Mais comme Atari ne voulait pas payer pour qu'il y ait des sauvegardes, bah, ils leur ont dit de faire un jeu beaucoup plus court. Et du coup, bah, le jeu est super court, quoi. Il est censé pouvoir se finir en une traite, quoi.
Donc, alors, je crois que les développeurs disaient que limite, dans le jeu final, il n'y avait que 20% de ce qu'ils avaient fait, quoi. Bon, ça, ils exagèrent peut-être un peu, mais c'est vrai que ça paraît. Enfin, bon, j'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu, mais pour ceux qui l'ont fait, apparemment, il est quand même. Enfin, on sent qu'il était censé être plus long, quoi. On restait un peu sur sa fin. Et alors, cela dit, techniquement, en fait, il y a un autre jeu qui, avant Tetris, avait des sauvegardes. C'était justement Eye of the Beholder. Alors, c'est ça qui est un peu particulier. C'est qu'Eye of the Beholder, c'est pas vraiment un homebrew. C'est qu'en fait, ce jeu devait être porté sur Lynx. Il y a eu un prototype. Et d'ailleurs, récemment, on a retrouvé des nouvelles versions du prototype de Eye of the Beholder. Et en fait, dès 93, en fait, des gens ont sorti ce prototype en version homebrew. En cartouche. Mais alors, il a été fait en vraiment très très peu d'exemplaires. Et apparemment, il y aurait il y a un exemplaire qui permettrait de sauvegarder, mais d'après Bastien Schick, lui, il connaît qu'une seule personne qui posséderait un exemplaire où on peut sauvegarder. Donc, c'est pour ça que lui, il considère que Tetris est le premier jeu avec des sauvegardes, parce que, si un jeu existe qu'en un seul exemplaire, c'est pas vraiment très pertinent. Non, carrément. Ensuite, on arrive beaucoup plus tard, en fait. Alors, je vais aller assez vite, parce qu'en plus, on a malheureusement, avec la Lynx, c'est un peu compliqué d'avoir des vidéos. Le même Bastien Schick, en fait, il sort une compilation à la fin des années 90, en 98, a priori. Alors, les dates sont peut-être fausses. Hein. Elles viennent d'Atari Gamer, mais j'ai eu déjà, par certains recoupements, déjà, il y a des dates qui ne correspondent pas toujours, selon les sources. Donc, Bastien Schick, avec Mathias Domin, qui est aussi assez connu, hein, les gens qui... connaissent sans doute un Impulse X sur Jaguar qui a été réédité il n'y a pas très longtemps du tout. C'est aussi un Allemand. Donc, ces deux développeurs, en fait, avaient créé plusieurs mini-jeux et ils ont sorti une compilation de leurs mini-jeux qui s'appelait Simis en 98. Donc, toujours avec l'aide de BLL. Et plus tard, pareil, alors un autre développeur, lui qui s'appelle Marcus Vull, qui a sorti Puzzler 2000 et qui sortira en 99 Socomania, donc évidemment inspiré de Sokoban, et puis Pokermania, qui est un jeu de poker évidemment en 2003. Ensuite, pareil, au début c'était vraiment beaucoup de jeux de réflexion, hein. De toute façon, bon, les portables étaient souvent vus à l'époque comme des consoles de jeux de réflexion, donc il y a Reed Hodgson qui a sorti un Lynx Othello à la fin des années 90, beaucoup plus récemment un Space Battle. Et en fait, la scène va prendre beaucoup d'importance avec un éditeur américain dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est Songbird Productions, qui est donc une société qui est dirigée par Carl Foran. Et alors lui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait à la fois des jeux sur Jaguar et sur Lynx, hein, il est spécialisé dans les deux. Et en fait, il a carrément acquis le catalogue de plusieurs développeurs de l'époque, donc notamment Inmate Software dont je parlais à l'instant. Ou Beyond Games par exemple, et donc ce qui a permis en fait de rééditer certains jeux ou de sortir des prototypes justement qui avaient par exemple Loops, le jeu de réflexion assez connu, il a pu le sortir en 2004. Voilà, c'est un jeu que les gens ont peut-être connu. Je crois qu'il est sorti sur Dreamcast, il me semble. C'est pareil, je me demande si c'était pas un homebrew déjà sur Dreamcast. C'est peut-être une bêtise, voilà, c'est un jeu qui est vraiment c'est un des homebrew les plus connus de la Lynx, et donc c'était vraiment en fait un jeu qui aurait dû sortir en fait à l'époque, hein. C'est pour ça que c'est pas tout à fait un homebrew, c'est plus un prototype qui est sorti plus tard. Mais là où ça se complique, c'est que Songbird en fait a un petit peu développé lui-même des jeux, puisque justement comme il avait les droits de Crystal Mines 2, bah, il en a sorti une suite qui s'appelle Crystal Mines 2 Buried Treasure, et avec des nouveaux niveaux, donc pour le coup c'est a priori lui qui a créé lui-même les niveaux, et il a fait la même chose avec Cyber Virus. Alors je crois qu'on l'a aperçu tout à l'heure, on pourrait l'avoir. Alors récemment il a sorti Lost Missions. Alors c'est un peu particulier en fait, parce que justement Lost Missions c'est le vrai prototype de l'époque. Lost Missions en fait c'est la démo de 9 niveaux que Beyond Games avait créé, qu'avait en fait pitché à Atari et qui a été annulé. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Carl Foran, au début des années 2000, a obtenu les droits du jeu, il n'avait pas le code source dans son code source, il n'y avait pas les niveaux du jeu. Lui, dans son code source, il avait uniquement le moteur du jeu. Donc en fait, lui, il a créé en fait le Cyber Virus qu'il a sorti lui en 2001 ou 2002, je ne sais plus trop. 2001, je crois. En fait, c'est 16 niveaux qu'il a créés entièrement lui-même, quoi.
Et donc, c'est uniquement récemment qu'il a pu enfin sortir, donc sous le nom Lost Missions, le vrai prototype de l'époque, avec les vraies missions d'époque. Donc, c'est ça qui est quand même un peu particulier. C'est que voilà, on est à mi-chemin entre le prototype et le homebrew, puisque c'est quand même lui qui a créé les niveaux. Alors, c'est pareil, c'est un jeu qui sera disponible dans la cartouche Evercade, celui dont il a fait les niveaux lui-même, qui sort normalement à la fin du mois. Mm-hmm. Enfin, il y a deux cartouches Lynx Evercade qui sortent précisément. Et il sera dessus. Et ensuite une des grandes dates, alors c'est pareil, malheureusement on n'a pas encore non plus de vidéo pour ça, donc je vais essayer d'aller vite dessus. Une des grandes dates aussi, c'est Alpine Games en 2004, un jeu de ski. Pareil, là récemment Karl Foran a sorti une cartouche avec des mini-jeux associés, enfin une cartouche de complément, mais voilà. En attendant, on peut voir l'Evercade, c'est toujours ça. Alpine Games, donc c'est un jeu de ski, enfin avec plusieurs jeux en fait, du saut à ski, plusieurs épreuves de ski en fait, mm-hmm. de sport d'hiver, qui a été réédité une dernière fois en 2015. Et c'est pareil, c'est un développeur allemand assez connu qui s'appelle Duranik, qu'on connaît pour Stormwind, je sais pas comment le prononcer, c'est à l'allemande ou à l'anglaise, qui est un shoot 'em up Dreamcast. Qui a été longtemps reporté, que les gens ont longtemps attendu et qui a récemment été porté sur console ou sur PC, sur support actuel, mais ça fait partie voilà, des homebrew très connus. Voilà, Alpine Games, on en a une belle photo. Mm-hmm. Donc voilà, ça fait partie des homebrew très très célèbres. Mais c'est vrai que moi, celui, et là cette fois on va avoir une vidéo, celui qui m'a fait connaître non seulement la scène homebrew sur Lynx, mais presque même la scène homebrew tout court, parce que c'est un jeu qui a été présenté à la RGC en 2007, qui est l'année du lancement de Pixel Love. Donc Pixel Love, c'est là où Cyril Denis a un petit peu fait connaître la scène homebrew, en tout cas à moi et je pense à beaucoup de personnes, hein, parce que c'était vraiment lui qui suivait ça sur les forums, hein, parce que la scène homebrew c'est très très compliqué à suivre, hein, ça se passe vraiment sur les forums. Et donc c'est Zaku qui est un shoot 'em up d'un duo de développeurs très doués qui récemment ont fait un jeu sur Atari 7800 excellent, d'ailleurs dont il reste plus beaucoup d'exemplaires, et si vous le voulez, dépêchez-vous. J'ai oublié le nom du studio, j'aurais sans doute dû le noter. C'était édité par la Super Fighter Team, hein, qui était aussi un des premiers éditeurs homebrew assez connus. Pinguinet, le nom du studio, mais ils sont deux, hein, je retiens jamais leur nom, mais c'est un duo. Et voilà, celui-là aussi a été réédité, encore une fois, une dernière fois en 2016. Donc c'est pareil, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui on ne le trouve plus du tout. À l'époque, à l'origine, il était sorti en 2009. Hein. Il était présenté à la RGC en 2007, mais il était sorti en 2009. Et donc ça, je pense que je pense que Lord Kraken a dû le connaître à l'époque. Forcément, je pense qu'il a dû suivre ça, non? Lord Kraken, tu nous entends? Ouais, tu nous entends? Petit souci technique. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, parce que j'avais muté mon micro. Ouais, non, sur les jeux homebrew, il y a donc tous les précurseurs entre guillemets, hein, qui étaient comme on l'a vu tout à l'heure, des entre guillemets des petits jeux, quoi, des jeux sans forcément beaucoup d'ambition. Et donc la scène, je pense, c'est vraiment a vraiment explosé avec d'une part Alpine Games qui a montré ce dont la Lynx était capable. Hein, il faut quand même voir le jeu tourner. Il y a comme des trucs assez impressionnants. Et mais là, effectivement, c'est Zaku qui a entre guillemets porté le coup de grâce, qui est d'ailleurs dans Pegmanet, ils sont deux, mais il me semble que un des deux est juste l'auteur de la musique, donc le reste du jeu est entièrement fait par un programmeur. Ouais. Et programmeur de génie d'ailleurs, hein, parce qu'il me semble que c'était un petit jeune, je crois, il avait 16 ans, quelque chose comme ça, quand il a commencé à coder le jeu. Donc ouais, ça a dû lui prendre 3-4 ans, quelque chose comme ça. Mais ouais, quand le jeu est sorti, c'était, je crois qu'ils en avaient produit. Donc la première série était de 500 exemplaires qu'ils ont vendus immédiatement. Et ils en ont reproduit 500, donc comme tu dis, je crois vers 2015, qu'ils ont aussi revendu. Et ça doit être le jeu qui est le plus demandé, où tout le monde dit quand est-ce qu'il y aura une nouvelle série. Et en fait, ouais. Que ça soit l'éditeur, qui n'existe plus d'ailleurs, Super Fighter Games, Super Fighter Team, ou le développeur qui... a priori, n'a plus trop envie de vouloir en parler, qui a fait une mise au point encore récemment sur le forum en disant que oui. Voilà, Zaku, il y a eu 1000 exemplaires et c'était fini, quoi. Donc,
Bah, c'est pareil pour son nouveau jeu 7800. Hein. Il y en aura bientôt plus. Et les gens le poussent pour qu'il est sorti aussi sur Steam, mais les gens le poussent pour qu'il le sorte sur console et tout, sur Switch et compagnie. Mais lui, le problème, c'est que voilà, c'est pas forcément rentable, donc il fait ce qu'il peut, quoi. Mais il faut vraiment le soutenir parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Et même celui qui s'occupe que du son. Alors, je sais pas pour Zaku, mais pour leur autre jeu là, dont j'ai oublié le nom. Ricky. Voilà, c'est ça. Il utilise quand même un processeur sonore spécifique pour l'occasion. Il a un son de malade pour un jeu 7800. Enfin, c'est vraiment une prouesse technique assez hallucinante. Et c'est vraiment l'époque aussi où la scène homebrew en fait se développe aussi en France, hein, justement, puisque alors il n'est pas avec nous. Enfin, il ne voulait pas apparaître en vidéo, mais il nous suit. Mais le fameux Fadest. Ou Fadest, je ne sais pas comment ça c'est censé se prononcer, qui, je pense, est vraiment l'un des précurseurs ouais, de la scène homebrew, puisqu'il a commencé... Alors, pareil, lui, il a commencé surtout avec des... Même toujours, hein, il est très orienté sur les jeux de réflexion, mais il est connu pour ses compilations de jeux de réflexion, les fameuses Yestuna. Alors, c'est très compliqué, parce qu'il a commencé à les développer en 2004, mais le volume 2 est sorti avant le volume 1, parce qu'il a commencé à publiciser le volume 1 d'abord et finalement le volume 2 est sorti d'abord. Enfin bref, c'est compliqué. C'était pas les mêmes éditeurs en plus. Le volume 2 du coup est sorti en 2007 alors que le volume 1 est sorti en 2008. Et puis depuis, alors on peut voir, on a en vidéo, on peut vous montrer YNXA qui était en 2019, donc probablement un jeu qu'il a dû faire pour le concours Atari Gamer. Je pense que ça doit être ça, et Silly Blaster, ça doit être... Oui, bah Silly Blaster devait être pour la Silly Ventures, c'est dedans. Donc voilà, un petit jeu de plateforme. Voilà, créé dans le cadre du concours Atari Gamer. Mmh. Et actuellement, alors il a fait d'autres jeux depuis. Notamment que des jeux, il a fait aussi beaucoup de jeux en tandem avec Derlux, qui est un développeur allemand très renommé. Et là, il travaille. Alors ça, c'est un jeu d'ailleurs qu'il devait présenter, je crois justement, au dernier concours Atari Gamer. Puis finalement, il l'a laissé tomber. Finalement, il a présenté Asteroid Chasers parce qu'il était très ambitieux. Mais il travaille sur Cyberpunk 2037. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le Cyberpunk que tout le monde attend en ce moment. Cyberpunk sur Lynx. Voilà. Mais c'est probablement un des homebrew aussi, je pense, les plus ambitieux de la Lynx. Alors bon. La vidéo paye pas de mine parce que c'est vraiment une des premières, c'était vraiment au tout début. Hein. L'idée, c'était de faire vraiment un jeu avec plein de phases différentes. Voilà, c'était surtout pour montrer l'ambiance parce que je crois que la thématique du concours Atari Gamer en 2020, c'était le futur vu des années 80. Donc, c'est pour ça que voilà, il était parti sur un truc un peu la Blade Runner. Mm-hmm. Mais j'espère que du coup il a réavancé dessus depuis et qu'on aura des nouvelles. Parce que c'est un jeu qui est très attendu. Alors, faut savoir que sur la scène française aussi, on peut citer deux personnes qui ne sont pas dans les invités, mais qui sont aussi très connues. Il y en a un qui a commencé aussi assez tôt et alors on envoie un message parce que tout le monde se demande où il a disparu. Apparemment, il a disparu. C'est Rigard. Alors pas Rigard le jeu, hein. Rigard la personne. Qui s'est fait connaître dès 2009 avec un petit jeu un peu coquin qui s'appelait Beachy. Alors c'est quelqu'un qui aime se marrer parce qu'il a aussi sorti en 2012 une fameuse cartouche qui s'appelle Death Cartridge, qui était soi-disant la cartouche censée tuer la Lynx en fait contenant, mais voilà, enfin c'était un peu un canular l'idée de faire une espèce d'homebrew qui tue ta la grande mode des trucs un petit peu comme ça. Ouais, les trucs en USB que tu branches sur ton ordinateur. Des légendes urbaines. Par contre, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour faire Hanoï en 2017, qu'il a fait avec Vince. Vince qui est aussi assez connu sur la scène. Je pense qu'on peut voir une vidéo de Hanoï, qui est pareil qu'un jeu de réflexion qui est plus sur l'ambiance, on va dire. Voilà pour la scène française. Je reviendrai à peut-être d'autres personnes plus récemment. On peut y revenir de toute façon, mais on va peut-être parler des jeux de nos invités quand même. Mais oui, tant qu'à faire. Bah oui. Qui se sent.
Parce que moi, yes. Je vais juste faire une petite rectification sur Derlours, donc qui est un éditeur allemand et programmeur aussi, qui a édité beaucoup de jeux il y a 3-4 ans et qui a notamment édité des jeux de Fadest, mais ils n'ont pas, tant que je sache, ils n'ont pas programmé de jeux ensemble. Alors, donc, il était lui. Je sais pas pour certains jeux, genre Silly Blaster, après c'est peut-être qu'il s'occupait des graphismes. Il a fait des musiques. Ou les musiques, voilà. Voilà, c'est. On voit un jeu de Dragibustier là dans le chat. Donc là, c'est Hanoï qu'on voit à l'écran, donc qui a été fait par Vince et Ricard. Donc qui est basé, je crois, sur le fameux jeu des tours d'Hanoï, hein, qui est un jeu de réflexion très très connu des mathématiciens. Avec plusieurs piles et on doit déplacer des objets d'une pile à l'autre, sachant qu'il faut toujours que on peut pas poser une pièce sur une pièce plus petite. Voilà. D'accord. Donc c'était sorti en cartouche, c'était aussi le début, parce que c'est pareil, c'est l'époque où Kari Kaksonen, on a parlé donc tout à l'heure, hein, qui lui, un Finlandais qui a commencé, lui qui est arrivé sur la scène, à ma connaissance, en 2009 avec Solitaire, mais peut-être plus tôt avant ça, et donc qui a créé des PCB et des modèles pour imprimer en 3D ces cartouches pour coller la PCB dessus. Ouais. Même s'il est possible d'acheter les PCB, les cartouches toutes faites, évidemment. Juste un petit mot là-dessus. Quand tout à l'heure je mentionnais Alpine Games et Zaku comme étant les deux premiers vraiment gros jeux homebrew, de la même façon au niveau édition physique, tu as eu donc les éditions Alpine Games et donc les Zaku qui sont très bien, hein, c'est les boîtes originales, etc., etc. Mais tu vois que bon, ça reste du homebrew, quoi. Tu vois les petits défauts, etc. Par contre, quand Derlours est arrivé, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à éditer des jeux qu'il avait créés lui-même et d'autres jeux qui existaient déjà. Et il a mis le paquet dans la production physique, c'est-à-dire reproduction parfaite de la boîte, poster grand format dans le packaging, pins. C'est acheter un jeu chez lui, c'était vraiment comme acheter un jeu à la grande époque. Et là, la cartouche, c'est pas de l'impression 3D, quoi. Du coup, c'est vraiment une pure cartouche. C'était vraiment au top. Et je pense que malheureusement, après, je sais pas, hein, parce que c'est un petit moment qu'on l'a pas vu, mais je pense que c'est malheureusement une des raisons pour laquelle il sort plus de jeux. Je crois que sur certains jeux, ça a dû se vendre plutôt bien, sur d'autres, peut-être un petit peu moins bien. Et je pense qu'il a dû laisser quelques plumes, malheureusement. Alors, on peut peut-être voir un des jeux qu'il a fait. Alors, attention, la régie, ça va être compliqué. La vidéo de jeu dont un s'appelle Welten Schlechter. Mm-hmm. Si je me souviens bien de mes cours d'allemand. Donc, ça qui date de 2017. Alors, je précise que Derlux, ça veut dire le lynx, hein, en allemand, tout simplement. Hein, donc, mais c'est assez récurrent parce qu'il y a aussi un Luxensoft, il me semble, et qui est à ne pas confondre. Il y a Luxsoft. Oui, non, si, c'est le même. Mais je confonds, c'est pas ça. C'est qu'il y a un portage de Wolfenstein, mais qui n'était pas lui, qui s'appelait Luxenstein, du coup. Les collectionneurs, là, donc ces cartouches en version physique, là, celles dont tu parlais, notamment Lord Kraken, ça coûtait combien au moment où elles étaient dispo? Là, j'imagine que c'est plus le cas, quoi. Mais tu achetais ça comment? Alors, je me rappelle très bien. Le prix c'était 299 francs français. Et certains jeux étaient à 399 francs, dont notamment le Dracula à l'époque. Okay. Mais sinon, je pense que la plupart des jeux étaient à 249-299. En homebrew, tu veux dire des homebrew? Ah non, des jeux d'époque. Ah, homebrew, alors attends. Non, moi, je parlais du homebrew que tu montrais tout à l'heure, par exemple. Donc, le Alpine Game que j'ai là, c'est la seconde édition. J'ai dû le payer quelque chose comme 45 euros, donc ça reste raisonnable, on va dire. Je m'attendais à plus, en fait, je t'avoue. Et le Zaku, j'ai dû le payer 50$, quelque chose comme ça, donc ouais, 40 euros. Alors, le Happy Games, il est un peu plus répandu parce que Derlours l'a réédité, donc il y a pas mal de dispo. Par contre, le Zaku, je pense que maintenant, il a dû prendre pas mal, quoi. Oui, parce qu'en fait, je me dis, sur des six petits tirages, là, il y a moyen que ça cote presque plus que de l'original, en fait, à la fin, si le jeu est vraiment sympa et recherché et tout ça. Clairement, il y a un autre jeu dont on n'a peut-être pas encore parlé, on va peut-être en l'aborder plus tard, qui s'appelle Wire and Tales,
qui est le seul RPG de la Lynx, qui est un bout qui est sorti il y a 3-4 ans. Ouais. C'est prévu. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu une date aussi, effectivement. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis dans l'historique, donc ça va être plus difficile de le trouver. J'entends pas Lord Kraken là en même temps, c'est bizarre. Lord Kraken, tu étais en train de dire quelque chose, je crois. Non, je disais juste qu'on va sûrement en parler plus tard, mais puisqu'on parlait du prix, je pense que ce jeu-là, qui a été produit à pas énormément d'exemplaires, je pense que le développeur produit un peu... Enfin voilà, quand il a le temps, quoi. Et vu que c'est un jeu qui a de très très bonnes critiques, je peux m'imaginer que d'ici quelques années, il va être très recherché aussi, quoi. On a la vidéo de We Venters. Effectivement, j'avais noté, c'est un peu. Je pense que c'est d'ailleurs avant. On va arriver justement sur 2019 et présenter vos jeux. Voilà. C'est un peu aussi ce qui a relancé justement, parce que encore une fois, on a dit Zaku, ça remontait quand même à 2009. Hein, donc, et c'est vrai que. Juste après qu'il y ait eu la première flash card Lynx, les cartouches imprimées en 3D, effectivement, ce RPG qui est quand même JRPG. Ouais. Par contre, c'est vrai que son développeur, je ne l'ai pas noté dans la liste, parce que c'est vrai qu'il n'a pas forcément... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait énormément d'autres jeux dessus. Oui, il s'appelle Jasper Van Tornhout, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est un Hollandais. Enfin, son pseudo, c'est Ninjaba. Hein. Donc c'est sûr que ce jeu-là a clairement donné des envies, et je pense que c'est vachement ce jeu-là qui a fait qu'en 2019 on a eu tout d'un coup beaucoup de développement, de nouveaux développements de Homebrew sur Lynx, quoi. Et donc on va en arriver justement à ce que nos invités ont créé pour le carrément pour le concours Atari Gamer de 2019. Donc je sais pas par qui on commence. Ah non, déjà avant, c'est vrai que oui, non, j'aimerais que Lord Kraken nous parle de Bomber Cats. Alors on l'a pas en vidéo, mais j'aimerais bien qu'il nous en parle. Alors il est pas en vidéo, il y a juste des screenshots en fait du jeu. Donc c'est un jeu. Je vais faire ça rapidement. C'est un jeu que j'ai commencé en 2009. Bah justement à cause de Zaku en particulier. Quand j'ai vu ça, je me dis mince. Alors en fait, on peut faire vraiment des trucs plutôt sympas. Et donc je me suis penché là-dessus et j'ai relativement rapidement j'ai eu un proto qui fonctionnait et puis je sais plus ce que j'ai laissé tomber hein, comme beaucoup de projets en gros et ensuite beaucoup d'années plus tard en fait j'habite en Suède et donc j'ai profité d'un congé parental relativement long de 8 mois pour me poser recommencer à développer le jeu. 8 mois de congé parental en Suède. Et oui. Alors, petit aparté, sujet de l'émission, mais c'est intéressant quand même. Oui, en fait, en Suède, les parents se partagent 480 jours de congés parentaux. Donc, c'est complètement accepté. Donc, je ne me suis pas fait prier, on va dire. Mais c'est du taf. C'est du taf. Mais voilà, pendant que mon fils dormait, je m'y suis remis. Et puis, j'ai fini le jeu. Et je me suis dit, mince, bon, c'est fini. Est-ce que je le sors ou pas? Et donc, c'est là où j'ai commencé un peu à présenter le jeu sur les forums et où, en fait, j'ai eu une réponse. Enfin, surtout sur les formats américains, sur Atari Edge, où la réponse était vraiment très intéressante. Et là, beaucoup de gens ont commencé à me suggérer « Ouais, mais est-ce qu'il y a le Comlink ? Est-ce qu'on pourra jouer en multi ?» Et au début, C'est le câble multijoueur officiel pour Lynx. C'est ça. C'est le câble multijoueur un peu... C'est une sorte de câble... c'est une sorte de câble jack. Je ne sais pas si on le voit ici. Ouais. Alors un peu bizarre, avec trois entrées sorties, en fait. Voilà, et on peut rajouter un câble... Voilà, on peut les chaîner, c'est ça. Donc, si tu en as un, tu peux mettre deux consoles. Si tu en as deux, tu peux mettre trois consoles, etc. etc. jusqu'à 8 hein, sur certains c'est jeux. C'est ça, exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cédé sous la pression. Je me suis dit, bon, OK, si tout le monde le demande, ça a du sens. Moi, dans ma tête, je me disais, il n'y a pas tellement de fans de jeux Lynx, tu vois. Quelle est la probabilité que deux personnes se retrouvent au même moment avec leur Lynx, avec deux exemplaires du jeu? Mais bon, a priori, c'est quelque chose qui... voilà, qui me sera reproché si ça arrive pas. Et le problème, c'est que le Comlink sur Lynx, c'est une des parties qui est la moins documentée. Donc là, nouveau challenge, obligé d'implémenter le multijoueur, quoi. C'est ça. C'est ce qui m'a fait, ce qui m'a fait reporter le jeu. Et entre temps, c'est les concours sont arrivés et je suis parti sur de nouveaux projets. Et enfin voilà. Donc, oui, parce que le jeu est en développement. Le jeu est en développement, il sera publié. Okay. Parce qu'il faut peut-être préciser, ça peut
pas paraître évident, mais bon, il n'y en a pas de vidéo, mais c'est vrai que Bomber Cats, c'est un clone de Bomberman, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les gens ont réclamé du multijoueur, parce que forcément, jouer contre trois bots, c'est pas non plus. Enfin bon, voilà, pour les fans de Bomberman, c'est pas. Ouais, ça fait sens, clairement. Et du coup, Lord Kraken, tu comptes monter jusqu'à combien de joueurs avec ton jeu? Alors là, j'ai un proto qui commence à fonctionner avec deux joueurs. Et mais j'ai un problème purement technique, c'est que j'ai pas la possibilité de tester avec plus de deux joueurs. Et les émulateurs, en fait, ne supportent pas le multijoueur. Il y a une sorte de hack qui permet de tester 2-3 trucs, mais ça fonctionne pas très bien. Donc, en fait, pour tester à plus que. Enfin, si tu veux tester à 5 joueurs, il te faut 5 consoles et 5 câbles. Et ça devient un petit peu compliqué. Je verrai avec mon éditeur. Donc, sur ce jeu-là, c'est Songbird qui m'a signé. Et voilà, lui, je sais qu'il a beaucoup plus de matos, etc. Donc, on va voir comment ça arrange. Mais pour l'instant, je pars sur 2 joueurs, ce qui me semble. Un bon compromis. Et donc, comment on fait pour se documenter quand on doit développer une partie qui n'est plus documentée ou pas documentée, peu documentée, qui est le multijoueur? Du coup, tu te débrouilles comment, finalement? Alors, puisqu'il est là, je vais citer son nom. Clairement, sur les forums français, enfin sur Yaronet, tu as Fades qui a pas mal d'expérience, mais si tu veux une approche encore plus technique des arcanes de la console, ça va être Vince. Donc qui m'a aidé plusieurs fois, donc je tiens à le remercier encore une fois. Sinon sur Atari Edge, il est là, c'est pour ça que j'en profite. Et sinon sur Atari Edge, il y a pas mal de gens qui s'y connaissent. Par contre, alors autant la communauté Homebrew Lynx est fantastique, autant les 2-3 personnes, ou en tout cas une des personnes qui en sait le plus, elle est assez difficile d'approche. C'est-à-dire que c'est on n'obtient pas toujours la réponse qu'on espère. Mais voilà, on se débrouille. Il y a beaucoup d'entraide. Ça, c'est peut-être la grande différence entre la communauté Lynx et la communauté Jaguar, c'est que la communauté Lynx est vraiment bon enfant. Les programmeurs s'aident, s'encouragent. Enfin, il y a vraiment une très, très, très bonne ambiance, que ce soit sur les forums français ou anglophones. Okay. Alors là, en vidéo, on voit ton shoot 'em up Audi Nexus que en fait tu as présenté, si je dis pas de bêtises, en fait à la Silly Venture en l'année dernière, mais qui dans une version pas terminée. En fait, là maintenant tu travailles dessus. En fait, c'est ton projet principal, j'imagine. Exactement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le concours des 30 ans, j'ai développé un jeu qui s'appelle The Inside World. Enfin, un prototype qui est une sorte d'hommage, enfin, qui sera un hommage à Another World, qui est mon jeu. C'est même pas favori, c'est plus que ça. Ça a changé ma vision du jeu vidéo. Je me suis dit, mince, en fait, le jeu vidéo, c'est pas qu'un truc rigolo, c'est aussi quelque chose qui peut apporter des émotions, qui peut montrer une histoire. Et enfin voilà. Donc, quand je suis parti là-dessus, je me suis dit, ok, Another World, t'as un moteur derrière qui est un moteur vectoriel, qui est compliqué à faire sur 8 bits. Et je me suis dit, bon, je ne pense pas avoir les capacités de faire ça, mais je dois pouvoir faire quelque chose de marrant. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible de streamer une énorme image? Alors, il faut savoir que sur les consoles 8 bits, en fait, on est très, très limité en mémoire. Donc, c'est très compliqué d'afficher des grosses images. Et en fait, mon challenge ici, c'est de me dire, est-ce que je peux avoir une grosse, grosse image sur la cartouche et la streamer en temps réel sur le jeu? Et donc, ça, c'est la partie technique que j'ai réussi. Hein. Mais du coup, je n'avais plus le temps vraiment de faire un jeu derrière. Et après donc, cette compétition, il y a eu la Silly Venture qui s'est rapprochée. Et un programmeur qui avait bien kiffé la démo, le prototype d'Inside World, m'a dit, tiens, regarde, je peux te faire des graphismes encore meilleurs sur The Inside World. Donc, j'ai pas mal de mock-up de sa part qui sont vraiment sympas. Mais quand la Silly Venture est arrivée, je lui ai dit... Il y a trop de taf sur ce jeu-là. Est-ce que ça te dit de faire quelque chose d'un peu plus simple, un jeu arcade, un shoot'em up? Et le mec m'a dit, j'adore les shoot'em up, on y va. Et donc, du coup, on est parti sur ce jeu-là, Audi Nexus. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chopé la référence, mais Audi Nexus, en gros, c'est Odysseus. Et Odysseus, c'est le nom anglais de Ulysse. Et en fait, ce jeu-là, c'est un hommage très, très déguisé à Ulysse 31, puisque c'est tout simplement l'Odyssée d'Ulysse. Hein. On vient de battre la ville de Troie et on doit rentrer trouver Pénélope. Et en fait, tous les niveaux vont raconter les obstacles que Ulysse, dans son Odyssée, a rencontrés, mais dans un contexte futuriste.
Et donc voilà, donc on est parti là-dessus. Et donc, c'est un graphiste allemand qui est professeur d'art, il me semble, qui est à fond dans le rétro gaming et à fond dans le pixel art. Et bah voilà, on bosse super bien tous les deux. Je lui file mes contraintes techniques et il revient derrière avec des trucs, enfin, des décors en pixel art qui sont vraiment fabuleux. Et, on a une question voilà. Chat là rapidement. Ziopi qui demande quel est le langage de programmation qui est utilisé pour le développement. C'est intéressant. Alors, ouais, j'en parlais tout à l'heure. Audinexus, bah, des deux, quoi, du shoot et de la démo aussi, Netherrealm, quoi. Alors, c'est 80, 95, 98% de C. Ouais, c'est un peu ce que tu disais en début de live, quoi. Mais, ouais. Par contre, c'est du C qui, comment dire, qui est vraiment, vraiment optimisé. C'est-à-dire que je fais toujours un premier G pour être sûr que tout fonctionne. Et derrière, je hack à mort. C'est-à-dire que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire en programmation. Je balance des variables globales au lieu de local. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est, ça reste lisible. Mais clairement, entre la première version qui est du code, entre guillemets, relativement joli, et ce qu'il y a dans le jeu derrière, c'est beaucoup, beaucoup d'optimisation. Mais c'est, tout ça, c'est jouable, c'est faisable en C. Pour la démo, et forcément, pareil. Plus assembleur. Et pour la démo, du coup, Anotherworld, c'est même. C'est le même moteur, même en technique. Fait. Derrière, c'est exactement le même moteur, donc c'est aussi du C à 100%. Quoi. Enfin, 100%. Il y a quelques petites parties en assembleur. Là, notamment sur le travail sur les palettes, quand je fais des fade-in, fade-out de palettes, c'est beaucoup plus simple de faire en assembleur. Ça ne pourrait pas être ce que je dis, mais sinon, non, tout ce qui est. En fait, voilà, moi, quand je fais du embrouille, il faut que ça soit fun derrière. Tu vois, il faut que je puisse avoir des résultats et que je puisse me concentrer sur le gameplay, essayer de faire quelque chose qui soit quand même assez. En anglais, on dit polished. Comment on dit ça en français? Je pense en anglais, donc des fois, il y a des mots qui me. Ouais, bien fini ou. Ouais, bien fini, voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de faire ça en C qu'en assembleur. Ouais. Des fois, je vois un jeu, ça doit être une galère à maintenir. Quoi. Enfin, dans l'intro, on voit zoom et rotation dans l'écran titre. Là, c'est du hardware. En fait, tu vas t'appuyer sur les zoom et rotation hardware de la console ou c'est développé à l'os, quoi. Ouais, ça c'est. Je reste convaincu que la Lynx est une console 8 bits pour un certain nombre de raisons. Par contre, au niveau des capacités graphiques, il y a quelque chose elle a un énorme avantage sur quasiment tous les ordinateurs et consoles 8 bits, c'est qu'elle supporte en hard un nombre limité de sprites et aussi donc des effets hardware, donc notamment le zoom, le mirroring, ce genre de choses. Donc on peut avoir des effets complètement fluides. Très facile à mettre en œuvre et pour un coût de programmation et de temps machine ridicule. Ah, dans Gilles Bustier me corrige, dit qu'il n'y a pas de rotation hardware, zoom. J'ai pas dit rotation. Ouais, rotation. Okay. Non, c'est moi qui le disais à un moment. C'est moi qui, quand je te posais la question. Il n'y a pas de rotation. En hard, qu'est-ce que tu as justement, les effets hard dans la console? Ah, il n'y a que zoom. Tu as tilt, mirroring. Donc tu peux, en gros, ton sprite. Parce qu'en fait, ce que tu te bases sur une console 8 bits, c'est l'adressage mémoire, t'as pas grand chose. Enfin, sur la console, là, sur la Lynx, t'as 64 kilobits de mémoire. Enfin, ça représente rien, quoi. Une image de 300 pixels par 300 pixels, tu remplis la mémoire, tu vois. Il y a vraiment pas grand chose. Ouais, carrément. Et donc, c'est cet effet-là, par exemple, notamment le mirroring. Imagine, tu as, ça se voyait peut-être dans la démo de The Inside World. J'ai mon perso, mon sprite qui avance dans une direction. Et en fait, sur beaucoup de vieilles consoles, si tu veux le faire aller dans une autre direction, tu es obligé d'avoir le même sprite en mémoire, mais inversé. Alors que sur la Lynx, en fait, c'est juste un petit flag que tu mets, tu dis, tiens, tu me montres ce sprite, mais de façon inversée. Et donc, du coup, tu n'utilises qu'un sprite au lieu de d'accord. deux. D'accord. Un peu comme dans Outrun, tu sais, où quand tu vas de gauche à droite, tu as le cheval cabré qui change de position, le logo Ferrari, ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, sur la version ouais. arcade. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la même c'est sprite qui inverse, quoi. Yes. Je vois Vince qui dit qu'il existe un moteur de collision hardware, c'est vrai, mais à ma connaissance, je ne connais pas vraiment en fait qu'il l'utilise. Si Vince a des exemples, mais en gros, le problème, c'est que tu as un buffer de collision qui permet d'avoir des collisions au pixel près, donc ça, c'est quand même plutôt classe, sauf que ça te mange 8 kilo-octets de mémoire, et vu que tu n'en as que 40 à peu près disponibles, c'est dur de sacrifier, quoi. Donc moi, par exemple, toutes les collisions sur Audinexus, c'est pas au pixel près, c'est un truc un peu hacké
si tu regardes bien, de temps en temps, tu vas avoir des lasers qui passent, qui vont passer à travers un ennemi. Mais ouais, la collision hardware, ça mange trop de mémoire. Je peux pas l'utiliser. Ouais. En tout cas, bravo pour le jeu, parce que bah, on le voit tourner là depuis un moment, du coup, dans le live, quoi. Et c'est vraiment quand même du super taf, quoi. On va pas se mentir, c'est, enfin, que ce soit même les boss et tout, enfin, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment un super boulot. Hein. Merci. Bah, donc ça, il y a donc là, il y a une démo. Ça, ce qui est streamé là, c'est la compo qu'on a soumis à Silly Venture. Depuis, en fait, on a complètement fini les deux premiers niveaux là qu'on voit et tout l'enrobage derrière, en fait. Et donc il y a une démo qui est disponible sur notre itch. C'est krakendev.itch.io. Et donc on peut tester le jeu carrément en ligne. Il y a un émulateur en ligne où on peut tester le jeu télécharger le démo. Et on a derrière trois niveaux et demi qui sont terminés. Et donc là, tu comptes en faire combien au total? Normalement, il devrait y avoir 6 niveaux. 6 niveaux au total. Je remplis la cartouche. La cartouche va être remplie au maximum. Voilà. Donc là, on rentre dans la phase de balancing. On va équilibrer le jeu, les ennemis, etc. Et voilà. Donc, normalement, une sortie début, premier trimestre ou deuxième trimestre 2021 chez Atari Edge. Voilà, en cartouche, quoi, donc en édition physique, hein, on le précise, quoi. Édition physique, ouais, exactement. Ouais. Ok. C'est à mettre en face de quoi comme shoot de l'époque, en fait, si on veut comparer un peu les prods de maintenant, celles d'avant, tu verrais quoi? Sur la Lynx ou sur la Lynx, hein, vraiment en restant sur la Lynx. Il y a eu des shoots sur la Lynx. Alors, si on a eu, hein, je sais même pas, ça me parle pas, mais. Gates of Zendokon. Ouais, mais Gates of Zendokon, tu peux aller de droite à gauche, alors que celui-là, c'est un scrolling. Ouais, t'as pas d'équivalent, peut-être, en fait. Il n'y a pas trop d'équivalent, effectivement. Tu as un autre shooter sur Lynx qui s'appelle. On m'échappe maintenant. Pas Gates of Zendokon, le. Alors, il y a Vince, justement, dans le chat, qui parle d'un shoot. Zarlord Mercenary, merci. Zarlord Mercenary, ouais, en vertical, quoi, pour le coup. Donc, Zarlord, il est, voilà, mais il est vertical. Et en fait, il y a quand même... C'est ce qui se rapproche le plus, mais il y a quand même pas mal de différences dans le sens où Zarlord, il est... alors, techniquement, il est aussi... c'est un jeu qui bizarrement, n'est pas... qui est rarement mentionné, mais en fait, il suffit de lancer pour voir que le taf qui avait été abattu à l'époque était assez hallucinant, hein, au niveau graphisme... nombre d'ennemis, collisions, etc. C'était vraiment du très très bon taf. Donc ouais, c'est ce qui ressemble le plus, mais ouais, non, en shoot comme ça, en side scroller, je crois qu'il y en a pas, en fait. Bah voilà, maintenant il y en a. Enfin, bientôt il y en a. En 2021. Bah, Zaku. Oui. Zaku, effectivement. Bah ouais, Zaku. On va dire, allez, l'inspiration principale au niveau technique, c'est Zaku, on va dire. Gros ennemis, etc. Ça vient clairement de là, quoi. Ok, cool. Bon, on va passer à Dr Ludos, peut-être. Yes. Alors lui, il a commencé... En fait, on le connaissait déjà depuis longtemps sur le Mac, parce qu'il fait pas mal de homebrew, souvent assez rigolo, avec un petit côté historique, sur différentes machines, en fait. Il touche un petit peu... T'as fait quoi? T'as fait de la Super Nintendo? T'as fait de la Mega Drive? La Game Boy? De la Game Boy, de la Lynx, de l'Atari 2600 et bah, sûrement bientôt de la Mega Drive aussi, et sûrement bientôt Neo Geo et voilà, un peu tout, en fait. À partir du moment où il y a des outils accessibles et que la console intéressante, voilà. Et donc on est d'accord que tu as commencé sur la Lynx pour le concours Atari Gamer de l'année dernière avec Growing Ties. Tout à fait. Et alors, ça fait, en deux mots pour l'historique, ça fait. Alors, la Lynx, voilà, j'ai une part affective qui est peut-être beaucoup plus réduite que celle de Lord Kraken, mais c'est vrai que c'est une console que je trouve intéressante. Des prods homebrew, moi aussi, j'ai découvert le homebrew grâce à Cyril Denis et Pixel Love et tous ces articles justement sur la scène homebrew. Quelque chose comme Zaku, c'est vrai que ça impressionne, parce qu'on ne pensait pas qu'un jeu comme ça serait possible sur la Lynx, et on se dit, la Lynx, il y a vraiment des choses à faire avec. Donc, ça fait un petit moment que j'en avais une et que je me disais, j'aimerais bien me lancer un jour à faire des jeux sur Lynx. Par contre, c'est vrai que c'est une console qui est très très différente, qui est unique, hein, moi je trouve, sur cette génération, dans sa manière de fonctionner. Elle est très puissante, mais aussi très différente d'une Game Boy, enfin de toutes les consoles japonaises, en fait, qui fonctionnent plutôt à base de tiles. Là, c'est vraiment une console où on peut avoir, comme l'a dit Lord Kraken, un nombre illimité de sprites, beaucoup de couleurs. Il y a plein d'effets hardware, pour zoomer des sprites. Voilà, il n'y a aucune autre console de cette génération qui fait ça.
Et du coup, voilà, ça demande quand même un certain investissement quand on ne connaît pas trop la machine pour apprendre comment elle fonctionne, pour se lancer. Et du coup, c'est le concours qui m'a motivé parce que voilà, ça donne l'occasion d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Ça donne aussi, quand on est amateur, très dur de se maintenir sur un projet dans la durée. Donc là, le concours, si on le fait, c'est pas tant pour la gloire. Voilà, c'est quelque part, c'est qu'on est sûr qu'on est duré. Il y a presque une contrainte qui vous oblige à continuer sur le projet et de dire au bout d'un moment, voilà, telle date, je suis obligé de finir le jeu pour voir ce que les adjoints en pensent. Donc c'est très motivant, surtout qu'il y a une excellente communauté, hein, on l'a déjà cité. Enfin, alors moi, ouais. Je connais que la communauté sur Atari Edge. Et voilà, il y a énormément d'entraide, beaucoup de gens partagent leurs jeux en open source. Si on a une question technique, on vous aide. Enfin voilà, c'est très sympa aussi, voilà, pour aider à débuter. Il y a eu une question, du coup, j'ai coupé. Non, il y a... Ah d'accord, ok. Et je mentionnerai aussi dans les comment on découvre un petit peu le développement sur Lynx, il y a des gens qui veulent s'y mettre, hein, parce que je vous invite à vous y mettre. Il y a un blog qui s'appelle Lynx Dev, où il y a beaucoup d'articles qui expliquent de manière très très simple comment marche la machine, comment afficher des sprites, etc. Donc c'est, voilà, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par la communauté aussi pour expliquer, pour aider les débutants à se lancer. Puisque moi, il y a encore 2 ans, j'étais un débutant. Et donc, pour revenir sur Growing Tides, mon premier jeu, qui reste un petit jeu, on parlait de ce qu'on a vu avec Codinexis. Alors, c'est, je ne sais pas si vous pouvez voir en vidéo, c'est comme son nom l'indique, c'est un jeu dans lequel on fait pousser des cravates. Donc, vous êtes dans une boutique de cravates avec des gens de différentes tailles qui arrivent. Voilà, y en a des tout petits, il y en a des très grands. Et vous avez une machine qui permet de faire pousser des cravates. Donc, le but, c'est de faire des cravates qui soient pile à la bonne taille pour les clients. Si c'est pile à la bonne taille, vous avez 10 sur 10, votre score augmente. Si la cravate est plus petite, vous gagnez moins de points. Et il y a toute une série de niveaux comme ça. Vous avez un niveau où vous n'avez que des gens très grands qui arrivent. Après, on rajoute des défis sur, par exemple, la couleur de la cravate qui change, etc. Donc voilà, c'est un petit peu... C'était quoi le thème du concours ? Il y avait un thème ? Alors, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas, c'était ouvert à tout. Donc les cravates, c'est juste comme ça, quoi. Alors non, il y a une histoire derrière, c'est que quand on se lance sur une machine qu'on ne connaît pas, enfin on l'a vu, la communauté Homebrew, il y a beaucoup de portages. Donc techniquement, ce jeu est aussi un portage d'un jeu que j'ai fait il y a... maintenant, je pense 4-5 ans. Alors, je ne fais pas que du homebrew aussi. Des fois, je travaille sur des plateformes modernes, style des jeux sur navigateur web et tout ça. Donc, j'aime beaucoup participer à ce qu'on appelle des game jams. Donc, c'est des concours de programmation très courts, en général. Une fois par an, le dev d'un jeu sur 48 heures, c'est ça ou, C'est ça, sur 48 heures. Donc, la plus connue, c'est la Ludum Dare, qui a lieu 3 fois par an sur un week-end. Et alors, il y a plusieurs, on peut travailler soit en équipe, soit tout seul. Donc, là, j'étais tout seul. Et l'idée, c'est il y a un thème et il faut faire un jeu sur ce thème, sachant qu'il n'y a pas de contraintes techniques, etc. Donc, on travaille des outils modernes, ça permet d'aller très vite. Donc, j'avais fait un. L'idée était née de ce concours. J'ai repris cette idée sur un jeu qui n'était vraiment pas abouti du tout, un espèce de prototype, et je l'ai retravaillé, je l'ai amélioré, je l'ai porté sur Lynx. Et ça a donné donc Growing Tides. On parlait tout à l'heure des fonctions techniques de la Lynx qui permettent de zoomer des sprites et tout. Je pense que ce jeu fait l'utilisation la moins ambitieuse de la fonctionnalité hardware de zooming de sprites. Donc les cravates que vous voyez qui s'agrandissent et qui se rétrécissent, c'est du zooming de sprite de Lynx. C'est peut-être l'utilisation la moins ambitieuse possible de ce genre de fonctionnalité, mais ça paraît bête comme ça. Sur une autre console, comme par exemple la Game Gear ou la Game Boy, ça serait assez compliqué de faire ce genre d'effet. Il faudrait empiler des sprites, s'il y en a trop, ça clignote, etc. Ouais. Alors que là, la Lynx, très facile à faire. Enfin, la console en taille pour ça. Tu pourras le porter sur Neo Geo, du coup, parce que ça sera aussi... on pourrait. Enfin, sur Neo Geo, on peut facilement rétrécir, c'est pas zoomé. Donc, il faut le faire en très grande, très grande cravate, et après, tu les réduis. Ensuite, la même année, à la Silly Venture, tu as fait Fishing for Atari, qui est pareil, un jeu un peu délirant où on doit pêcher des consoles de jeux, si je dis pas de bêtises. Alors là, il n'y avait pas vraiment de thème sur la Silly Venture, mais comme c'est vraiment un événement centré sur la scène Atari, donc le thème, c'est Atari, finalement, quelque part. Ouais. Et en plus, c'était la 30 ans de la Lynx. Donc oui, c'est peut-être le seul jeu à 2 joueurs pour une seule machine sur Lynx. Donc l'idée, c'était de prendre la Lynx, ça se joue à deux, vous posez la Lynx sur une table, il y en a un qui va jouer avec la croix directionnelle, l'autre avec les boutons.
Chacun regarde le même écran, vous avez chacun votre côté de l'écran, il y a des machines Atari, des Lynx, des Jaguar, des Atari ST qui passent, le but c'est de les pêcher. Vous avez voilà, à peu près une minute ou deux, le but c'est d'en pêcher le plus possible. Donc c'est un petit jeu, mais voilà, quand on joue à deux, c'est rigolo. Enfin, c'était l'idée derrière. Voilà, bon, c'est un projet très court, on ne va pas se mentir, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Mais par contre, pour le concours Atari Gamer de cette année, si je ne dis pas de bêtises, t'as quand même fini deuxième. Oui, et Growing Tags avait fini troisième l'an dernier, donc ce qui était sympa surtout qu'il y avait du niveau en face. Enfin, il y a toujours du niveau en face d'ailleurs, mais la communauté Lynx voilà, est vraiment douée. Et donc oui, donc le jeu de cette année, c'est un jeu qui s'appelle Time Loop. Donc par rapport au concours Atari Gamer de cette année, le thème c'était le futur, bon, avec un côté rétro. Le futur, moi, ça m'inspire les voyages dans le temps et plus précisément ce qu'on appelle les boucles temporelles. Donc le fait de revivre un peu, voilà, comme le film Le Jour de la Marmotte, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, voilà, qui est de rire tout le temps la même journée. Mm-hmm. Donc j'ai fait un jeu de foot où on revit tout le temps la même partie qui dure 6 secondes. La particularité, c'est qu'au début, vous êtes tout seul. Donc il n'y a que vous, une balle, une cage, donc c'est facile de marquer. Et lors de la deuxième boucle, ben, vous avez votre avatar de la partie précédente qui joue contre vous. Donc au bout d'un moment, on se retrouve avec 8 joueurs en face. Sauf que les 8 joueurs, enfin dans les 8 joueurs, il y a vous et 7 clones qui sont votre passé. Donc c'est un jeu de foot où on joue contre soi-même. Voilà, ça me fait penser à Homebrew, dont j'ai plus le nom malheureusement, mais qui est plutôt un shoot, enfin pas un shoot, mais un jeu de plateforme en fait, dans lequel, un peu à la Contra, quoi, dans lequel on shoot les ennemis, et où tu peux effectivement revenir en arrière. Je me souviens plus, je sais pas avec Guillaume si t'as le titre ou si quelqu'un l'a. C'est Time quelque chose, mais ça me reviendra peut-être au cours de l'émission, puis je le dirai si je trouve. Mais c'est assez marrant ouais, de pouvoir revenir dans le passé et de retrouver les clones de ce que tu as des parties précédentes. Quoi, en fait. C'est ça que tu disais. Quoi. C'est ça. Donc, du coup, ouais. Selon comment on a joué sur les parties précédentes, des fois, vos clones peuvent vous aider à marquer ou la plupart des temps, en général, ils vous piquent la balle. Mais voilà. C'est-à-dire que si on est très bon, le jeu devient très vite difficile puisqu'on affronte des gens, des adversaires qui sont très bons, tandis que si on n'est pas très bon au début, bah, finalement, la partie va être facile, mais... Voilà, c'était une petite expérimentation. Autant sur les autres jeux que j'avais fait, surtout sur Growing Tide, je savais que le concept était assez rigolo, j'ai vu des bons retours. Sur Time Loop, ce dernier jeu, je l'ai lancé, je savais pas trop si ça allait marcher ou pas. Bon, ben, je suis content que ça ait plu. Cool. Et du coup, tu as des éditions physiques aussi qui sont prévues dans les cartons ou pas ? Alors oui, il y a justement suite au concours de l'an dernier, donc il y a Atari Edge effectivement, qui va signer d'autres jeux aussi, voilà, qui veut se lancer sur la scène un peu comme Somber sur la scène Lynx, puisque c'est la seule machine Atari pour laquelle pour l'instant ils n'ont pas de production en brou, donc ça devrait bientôt être réparé, et donc effectivement, je devrais sortir une compilation de mes 3 jeux Lynx. Donc une version améliorée de Growing Tides avec plus de niveaux, plus de modes de jeu, voilà, un jeu encore plus polish. Et les 2 autres jeux en bonus, donc sûrement Time Loop et Fishing for Atari en bonus sur la même cartouche. Ok. Pour une version voilà, deluxe de Growing Tides. Donc on n'a pas encore de date, hein, c'est en cours, mais voilà, je pense que ça sera en 2021. Yes. Vas-y Guillaume, je t'en prie. Vas-y, parce que moi je voulais passer à autre chose en fait, mais... Non, moi, c'était juste une petite question. C'est si vous saviez, tous les deux, comme vous vous intéressez au développement sur Lynx, ou peut-être Vince aussi dans le chat, comment ça se passait à l'époque pour les développeurs, les développeurs de jeux officiels, entre guillemets, hein, qui ont une vie commerciale sur la machine pendant qu'elle était dans les échoppes. Est-ce que vous savez à combien de personnes ils pouvaient être par projet? Est-ce que c'était à chaque fois une personne seule, un peu comme vous? Ou est-ce qu'ils étaient des équipes plus constituées de, enfin, je sais pas, moins de 5, 10 personnes, j'en sais rien? Vous avez des idées de comment ça se passait à l'époque ou vous en avez parlé peut-être dans les forums pendant le dev ou en pêchant des infos pour le... Alors, en toute honnêteté, je n'ai pas d'infos de première source, mais si on regarde les crédits des jeux Lynx, je pense qu'en général, c'est des petites équipes, ouais, de peut-être 3-5 personnes, je pense, pour la plupart. Ouais. C'était encore une époque où tu pouvais avoir un programmeur, un graphiste, un musicien sur un jeu et faire un jeu commercial de très grande envergure, très sympa. Il y a eu sûrement des jeux un peu plus costauds, mais voilà, ça reste encore sur ces générations. Voilà, sur la génération 8-bit, tu peux avoir des projets avec des équipes modestes. Après, je ne sais pas si voilà, Kraken connaît peut-être plus que moi. Je ne sais pas non plus. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui se plaignaient. Enfin, des fois, que c'était aussi en termes de documentation, tout ça, ce n'était pas toujours évident d'avoir des conseils du constructeur. Mais bon, ce n'était pas spécifique à Atari. Hein. Tous les gens qui ont bossé sur Nintendo... voilà, il n'y avait pas Internet. Hein, donc... Voilà. Mais du coup, vous, en fait, finalement, vous n'êtes pas tout seul non plus. Enfin, ça dépend peut-être des projets, mais Lord Kraken, toi, tu expliquais que pour le graphisme,
C'était une personne en Allemagne ou enfin vous travaillez justement avec combien de personnes c'est intéressant quoi. Quels sont les points que vous êtes obligé de déléguer dans la création de vos jeux respectifs chacun. Peut-être commencer par Dr Ludos comme tu avais la parole. Ah d'accord. Ben alors moi je bosse sur la plupart de mes projets. Alors sur les projets Lynx, là dans tous les cas j'ai bossé tout seul. Sur d'autres consoles générales j'ai Lynx que je sais pas faire donc enfin tout ce qui est musique et son c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Enfin j'ai aucun talent pour ça. Non pas que j'en ai pour le reste mais alors là quoi, si je compose de la musique ça fait mal aux oreilles. Donc du coup général j'essaye de m'associer au moins avec un musicien. Mes capacités graphiques ne sont pas terribles non plus, mais bon, voilà, sur des consoles 8 bits, en général, voilà, ça passe. On ouais, comprend ce que ça okay. représente. Donc voilà, en général, je fais des projets solo ou avec un musicien. Voilà, donc en général, tout seul ou à deux. Ok. Et pour la partie graphique, tu n'as jamais délégué, quoi. Ça, c'est, t'as toujours... Alors, pour l'instant, non. Après, c'est vrai que voilà, je suis pas graphiste, donc c'est vrai que bah, si je pouvais, comme l'entraquant, trouver un graphiste qui serait intéressé, qu'on puisse faire un projet intéressant ensemble, quelle que soit la machine, moi, je serais partant, hein, parce que bah, c'est toujours plus sympa quand le jeu, il est beau. C'est sûr. Non, mais on dit toujours que le graphisme... Enfin, il y a beaucoup de gens qui martèlent que le graphisme n'a pas d'importance, que c'est le gameplay. Oui, c'est vrai que c'est d'abord le gameplay, on est d'accord, quoi, mais comme tu le dis toi-même, quand tu as à la fois le gameplay et le graphisme, des fois, c'est mieux. Ben, alors, je ne sais pas, c'est pareil pour Kren. Moi, quand je commence les jeux, les graphismes, c'est ce qu'on appelle du programmeur art, hein, des graphismes de programmeur. Ben, c'est des cubes, hein, donc vous avez des rectangles de couleurs qui se déplacent à l'écran. Ouais. Les premiers protos, voilà, je partage sur net des protos des jeux que je fais. Les premiers protos, en général, voilà, c'est des cubes de couleurs qui se déplacent et qui interagissent. Et c'est qu'une fois que j'ai un gameplay qui est bien réglé et qui a l'air intéressant que ben, je vais passer du temps à essayer de dessiner quelque chose. Voilà, parce que si le gameplay n'est pas bon, je ne trouve pas intéressant l'habiller. Donc, mais voilà, si effectivement un habillage qui est joli, ben, c'est encore mieux. Et là, voilà. Ouais. Enfin, un jeu qu'avec des cubes de couleurs. Sur le shoot qu'on voit là, l'arrière-plan, c'est mm-hmm. carrément génial, quoi, en fait. Hein. Alors, il faut là, peut-être préciser que le jeu qu'on voit, c'est Arlynx. Je voulais en parler, en fait, tout à l'heure. C'est a priori, le premier jeu sur Lynx de Fabien Marlier, qui est toujours en développement. Hein. Il donne des nouvelles régulièrement, il poste de nouvelles vidéos. Donc, c'est basé sur Albator, hein, mm-hmm. comme on a pu le comprendre avec la tête de mort au début. Et oui, ça a l'air de bien avancer hein, son truc, hein, je pense. Et là, l'arrière-plan tout à l'heure, bon là c'est un peu du scrolling en parallaxe, mais tout à l'heure c'est, on a l'impression que c'est un espèce de mode 7, alors pas au sens zoom ou rotation, mais au sens F0 du terme, quoi. Espèce de perspective en fait, comme ça. Et ça, c'est un mode qui est géré en hardware par la Vicane, ça aussi, ou c'est développé à l'os ? Je pense que c'est, je pense pas que ce soit du mode 7, mais en fait, non. Tu as. Alors, on parlait des capacités de la console. En fait, sur les sprites, tu as aussi la possibilité de les compresser verticalement ou horizontalement et donc de leur donner une sorte d'effet de perspective. Donc, si tu combines ça bien avec un scrolling, je pense que c'est ce qu'il fait. Il avait posté une vidéo récemment. Je lui ai demandé directement sur YouTube quelle technique tu utilises. Bon, il ne m'a pas répondu, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Sinon, voilà, c'est ce que Vince est en train de dire d'ailleurs. Ouais, Vince est en train d'expliquer, ouais, justement. Voilà. Donc, ce n'est pas un mode 7, mais tu peux simuler un mode 7. Par contre, tu n'auras pas de rotation derrière. Tu vois. C'est-à-dire que là, tu peux le faire comme ça sur un truc qui va scroller de droite à gauche. Par contre, ouais, sur un mode 7, tu peux après faire une rotation. Là, tu ne vas pas pouvoir le faire. Quoi. Ouais, un peu comme sur le fond de... Enfin, sur Street Fighter 2, quoi, typiquement, tu as ce genre de bidouille, quoi, en fait. Sur le plan horizontal, on va dire, du décor sur lequel tu marches. Quoi. Mais effectivement, il n'y a pas de rotation. Quoi. Et donc là, ouais, rotation sera encore autre chose quoi, pour le coup. Du coup, toi, Lord Kraken, sur la partie déléguée, en fait, tu dirais quoi ? Alors, pour moi, tu as trois types de programmeurs. Tu as le programmeur qui ne sait absolument pas dessiner, qui va te faire du programmeur art, un truc tout moche. Tu as le programmeur, et c'est là où j'essaie de me situer, c'est entre guillemets, quelques compétences, je ne vais pas dire artistiques, mais... En fait, je comprends le pixel art, je sais comment ça marche, j'arrive à peu près à tu vois, si je m'inspire de quelque chose, ça passe plutôt, c'est correct, quoi, sans être vraiment génial. Donc, par exemple, sur certains jeux, et notamment les jeux qui ont un petit côté cartoon, donc notamment mon clone de Bomberman, Bomber Cats, où voilà, là, je vais me débrouiller. Par contre, dès que tu veux avoir vraiment une, entre guillemets, hein, ambition artistique, enfin, quelque chose qui sort de l'ordinaire, là, clairement, il faut bosser avec un mec qui est professionnel et... t'as rarement des... là, ça tape à ma porte parce qu'ils font Halloween ici. Donc, j'ai abrégé, je vais leur donner des... T'as ton sac de bonbons, là.
Ouais, donc je vais leur donner les bonbons et je reviens. Ok, ça marche. Mais non, mais c'est vrai que les développeurs de l'époque, bon, faut quand même les saluer parce que c'était, même s'ils étaient plus nombreux, comme on l'a dit, ils n'avaient pas forcément des outils aussi performants qu'aujourd'hui. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, ils avaient des vraies contraintes de temps. Parce qu'aujourd'hui, bon, le développement Homebrew, souvent, les jeux, ils mettent des années à sortir. Enfin, les développeurs Homebrew ne sont pas toujours d'une grande rapidité parce qu'ils font ça dans leur temps libre, etc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, souvent, quand on critique un petit peu les jeux d'époque, faut bien percevoir qu'ils avaient des grosses contraintes. Je le disais pour Dracula, où le jeu il a été vachement raccourci parce que Atari voulait pas payer pour mettre des sauvegardes dans la cartouche, quoi. Donc c'est vite quand même pénalisant, mine de rien. Oui, tout à fait. Et puis eux aussi, ils avaient des contraintes commerciales. C'est-à-dire que la plupart des développeurs homebrew ont fait ça pour le plaisir et pas pour l'argent, parce que sinon on ne mangerait pas. Enfin voilà, c'est pas. Tandis que il fallait aussi que le jeu il marche et qu'il y ait des succès. Voilà, tandis que l'avantage de la communauté homebrew, on peut se faire plaisir. Donc on peut passer 2 ans à faire un jeu qui va peut-être vendre à 5 exemplaires derrière. Il n'y a pas de souci si on s'est fait plaisir. Tandis que les studios professionnels, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient non plus. Voilà, ils étaient obligés d'avoir un jeu qui se vend. Non, ouais, tout à fait, logique. Alors, on va voir si Lord Kraken a fini la distribution de bonbons. Allô. C'était toujours avec nous. Sinon, Guillaume, sur l'historique, t'avais tout passé, quoi, de toute façon. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, ce que juste la conclusion entre guillemets de l'historique, c'est que Songbird Productions, dont on a parlé, s'y est pas mal remis. Là, récemment, ils ont sorti Biniax 1 et 2 en cartouche. Comme on l'a dit, il y a Atari Edge qui va se mettre à sortir des jeux sur Lynx, hein, leur premier homebrew sur Lynx. On a parlé tout à l'heure de l'Evercade qui à la fin du mois, normalement, il y a enfin, à la fin du mois de novembre, hein, je précise, il y a deux cartouches Lynx qui sortent. Et puis en plus, ce qui va aussi peut-être faire bouger les choses aussi, c'est que, alors on en parle un peu dans chaque live, hein, c'est un petit peu le fil rouge, mais c'est vrai que l'année prochaine, il y a la fameuse Analog Pocket qui sort, et elle a un adaptateur pour les jeux Lynx. Donc ça va être encore une autre manière, je pense, pour peut-être démocratiser, parce que ça va faciliter pour les gens qui ont trouvent peut-être pas forcément des Lynx d'origine, ou c'est un peu contraignant, etc., de développer, en fait, peut-être sur Lynx, et, avec les flashcards aussi, parce que si la machine est jailbreakée, on pourra peut-être plus facilement pouvoir tester ces jeux directement sur Analog Pocket. Analog Pocket, qu'on voit en vidéo du coup avec la vidéo de Michel, et pour laquelle du coup c'est quand même une relativement récente nouvelle. On va pouvoir aussi également mettre les U-cards dedans. Oui, tout à fait, les U-cards PC Engine. Yes. Lord Kraken, t'avais des. Ouais, tu dis. Elle est sold out, elle est complètement. Enfin, il n'y a plus d'exemplaires. Oui, alors en fait, elle n'est pas encore sortie. Alors du coup, on se disait que peut-être que pour la sortie, ils allaient refaire un badge de production, etc. Enfin, on espère. Parce que, ça serait. Normalement, c'est prévu. C'est pas censé être une édition limitée. Hein, mais évidemment, tant qu'elle n'est pas sortie, c'est un peu délicat de relancer une nouvelle. Rappelle, Guillaume, la date de sortie pour ceux que ça intéresse. C'est en avril ou mai, je ne sais plus. Ok. Donc, pour le prix, c'est 200 euros, je crois, ou 250. Enfin, si tu rajoutes aussi les douanes, frais de port. C'était 200 dollars, mais c'est vrai qu'avec les frais de port et compagnie, ça va vite. Ouais. Le doc. Lord Kraken et Dr. Ludos, si vous deviez conseiller un Everdrive éventuellement pour les personnes qui ont envie de tester des démos homebrew, ce genre de choses, dans leur console, dans leur véritable Lynx, vous avez un modèle de prédilection peut-être à conseiller ou pas ? Moi, je trouve que les deux qui existent. Ouais, non, vas-y, Kraken, vas-y. Ah, vas-y, c'est, je crois qu'on dirait la même chose de toute façon. Donc. Non, mais les deux voilà, qui ont été. Ils en fait un, par exemple. Alors, Krix n'en fait pas. Il y a donc les deux qui sont bien, donc vous avez le Lynx GD et la Gakart. Les différences entre les deux, ce que vous a montré Kraken tout à l'heure, donc le Lynx GD est un petit peu plus évolué dans le sens où il supporte les sauvegardes. Donc, si vous avez des homebrew qui supportent des sauvegardes, il vous faut absolument un Lynx GD. La Gakart ne le supporte pas. Et le Lynx GD, vous mettez autant de ROM que vous voulez sur la carte SD, vous avez un menu qui s'affiche à l'écran pour choisir votre jeu. Tandis que la Gakart,
Il y a un petit bouton derrière, un petit écran derrière la cartouche. Il faut choisir le numéro, le jeu numéro 1, le jeu numéro 2, le jeu numéro 3. La différence, c'est que la Gacarte est moins chère. Donc, pour 50 ou 60 euros, vous pouvez vous faire une flashcard qui marche très bien sur toutes les Lynx avec la Gacarte. Et pour un peu plus, de mémoire, elle est à 20 euros, je pense, de plus, la Lynx ZD, si vous voulez un petit peu plus de confort. Mais les deux sont franchement très bien. Et que ce soit pour jouer ou pour tester ou pour développer, Il y a aussi une nouvelle option depuis quelques mois qui est la El Chipos qui s'achète auprès de Atari Gamer, qui est, je crois, encore moins chère, doit être à $50, quelque chose comme ça. Et elle supporte, si je ne dis pas de bêtises, elle supporte aussi les sauvegardes. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle vient d'Australie, donc en ce moment, on l'a commandé aujourd'hui. Ça va prendre un petit peu de temps. Le tarif, tu l'as peut-être dit, j'ai peut-être pas suivi. Elle est à $50. $50, ouais. Faut avoir compris ou... Je pense que c'est hors frais de port. Hein. Ouais, c'est hors frais de port et de douane, quoi. Ouais, sinon... Je pense, non, c'est pas drôle. Ouais, c'est marrant, Crix, il s'y est pas encore collé, quoi. Il a quasiment tous les Everdrive qui existent, mais pas celui-là. Bon, après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de marché. Priorité. Ben voilà, c'est ça. Il va cibler en priorité ce qui se vend, quoi. C'est logique, hein. Et oui, puis c'est très différent peut-être aussi des autres consoles. Voilà, c'est une machine différente aussi. Voilà, c'est bien qu'il n'y ait pas que Crix. J'adore Crix, hein, mais c'est bien qu'il y ait différents fabricants pour différentes machines aussi. Comme ça permet de couvrir plus large. Carrément. Lord Kraken, du coup, sur la partie délégation de ce que tu peux pas faire, tu avais d'autres trucs à dire là avant la distribution de bonbons ou pas? La seule chose que je voulais ajouter, c'est que clairement. Enfin, voilà, d'avoir quelqu'un qui est professionnel, entre guillemets, parce que des fois, c'est même pas leur métier, mais ils ont tous le talent. Non seulement ça permet de donner un peu plus de cachet à ton jeu, mais aussi, enfin, ça pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, enfin, surtout quand tu développes en amateur, c'est ça te libère du temps, quoi. C'est con, mais moi je suis programmeur et c'est. Enfin, voilà, c'est facile pour moi, entre guillemets, de venir avec un concept, de programmer, etc. Mais si je dois aussi faire les graphismes, ça va me prendre trois fois plus de temps qu'un mec qui a l'habitude et pour un résultat de moins bonne qualité. Donc, clairement, pour moi, voilà, sur ce genre de jeu 8-bit, être deux, plus éventuellement un troisième membre pour tout ce qui est musique, mais ça, à la limite, ça peut se faire un peu à côté. C'est la taille idéale. Et pour répondre, il y avait la question sur la taille des équipes à l'époque. Je travaille dans les jeux vidéo, donc voilà, mon travail c'est le jeu vidéo et ma passion. Tu peux dire chez qui ou c'est secret? Et en fait, il y a un truc qui est super important quand tu bosses dans les jeux vidéo, c'est les crédits, quoi. C'est d'avoir ton nom dans les crédits de fin de jeu. Et ouais. En fait, donc moi, c'est quelque chose que je fais attention depuis quand même très très longtemps. Et même n'importe quel jeu que je joue aujourd'hui, je vais regarder. Et sur Lynx, c'est clair. Enfin voilà, c'était la plus grosse équipe Lynx, ça a dû être 5 personnes, et encore, c'est parce qu'ils avaient un producteur, un mec qui sinon, tu as beaucoup de jeux, c'est tu as un programmeur et un graphiste, hein, et un Zico. Donc, je pense que la taille moyenne d'une équipe Lynx, ça devait être 3. 3, tu dirais. Ouais. Et donc, enfin, voilà, pour moi, c'est le garage aujourd'hui, c'est le setup idéal. Même si ça ne me déplairait pas de faire une collaboration avec un autre programmeur, hein, un jour ou l'autre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et du coup, pour la partie son, je ne sais pas si tu en avais parlé, il ne me semble pas. Tu fais comment? Alors, la partie son, c'est relativement simple. Il y a un tracker sur Lynx. On aura peut-être dû en parler tout à l'heure quand on parlait des outils de développement. Donc, il y a un tracker sur Lynx qui s'appelle Tracker, qui est développé aussi par un de nos Allemands fous. Je ne sais plus si c'est... oui, c'est Sage, donc qui fait aussi des trucs. Hein. Il a un niveau technique très, très élevé. Et donc, il a créé un tracker pour Windows, qui te permet de créer ta musique comme dans n'importe quel tracker et d'exporter dans un format qui peut être utilisé soit par BLL, soit par d'autres librairies de musique sur Lynx. Le souci principal de ce tracker, c'est que l'interface est très, très compliquée. C'est vraiment pas facile de l'utiliser. Donc voilà, si tu t'amuses un petit peu avec, tu peux produire des résultats correct, mais sans plus. Par contre, si tu as quelqu'un qui met le temps dedans et qui en plus a des bonnes connaissances de tracker, enfin là, tu peux avoir des résultats quand même assez hallucinants. Et tu as actuellement un membre de Atari Edge qui s'appelle Miker, c'est un Polonais si je ne me trompe pas, qui non seulement est un très très bon Zikos, mais qui a compris comment utiliser Cheaper. Et je pense qu'il est il doit être à la base de 95% des musiques de tous les homebrew qui sortent actuellement.
Donc il est très occupé, mais il est très gentil, très serviable. Et si on lui demande gentiment et qu'on vient avec un projet concret, il y a de fortes chances que ça l'intéresse et qu'il aide à créer la musique. Et comment ça se passe au niveau du financement de ton jeu, en fait? C'est un budget, c'est une part importante du budget. Enfin, après, y a ton temps libre, on va dire, il n'est pas compté entre guillemets, quoi. Mais même si, évidemment, le temps, c'est de l'argent, toujours. Mais au niveau des parts déléguées, ça se passe comment, en fait? C'est aussi des bénévoles ou c'est des gens qui ouais, Maker ont une rétribution? Maker est bénévole. Ouais, non, là, justement, c'est peut-être... donc, moi, comme je disais, je bosse en jeu vidéo. Je bosse en ce moment, je bosse surtout dans les gros gros jeux, mais j'ai beaucoup de connexions avec des développeurs indés. Et effectivement, quand tu es développeur indé, donc tu fais des jeux sur PC, Switch, etc., quand tu vas aller chercher un graphiste, un musicien, etc., ça te coûte. Dans le monde rétro, à ma connaissance, tout le monde est bénévole. Voilà, si tu viens avec un projet, en gros, ça se passe simplement. Tu fais ton prototype chez toi tranquillement, même avec des graphistes pas terribles, et puis tu le montres. Et si c'est un jeu qui plaît aux gens, si c'est un jeu qui n'existe pas, par exemple sur la Lynx, tu vois, les gens vont t'intéresser. Et puis assez facilement, de façon quasiment organique, les gens vont te contacter en te disant, hey, est-ce que ça t'intéresse, si je peux t'aider, etc., etc. D'accord. Et la raison, elle est faite, hein, c'est parce que, par exemple, si tu es un super bon graphiste qui adore la Lynx, c'est cool, mais tu n'es pas un programmeur. Tu as besoin d'un programmeur. Donc, bizarrement, c'est pour moi, ce sont les graphistes qui sont venus, qui m'ont contacté, et pareil pour Maker, pour la musique. Mais ils sont très, très abordables, très approchables, et en fonction du projet, en fonction du temps qu'ils ont de disponible, ils vont s'impliquer dans le projet. Pour moi, j'ai 7 sur Audi Nexus, on a 7 teams, on s'appelle Team Alex parce qu'on s'appelle tous les deux Alex. on est ensemble, et si jamais un jour on vend le jeu et on fait 200 € de profit, on partagera à deux, et puis on s'achètera je sais pas moi, Lemmings sur Lynx, je crois qu'il vaut $200, donc c'est bon. Je précise que les jeux qu'on a vu passer, alors dans l'ordre, on a vu On Duty de OCO qu'il avait présenté au concours Intergamer l'année dernière. Là on voit Lawnmower qu'il a présenté à la Silly Venture. Et avant celui-là, on a vu le jeu de Tank, qui s'appelle juste Tank, si je ne dis pas de bêtises, qui est le jeu de Kari Kaksonen dont on a parlé maintes fois, qui s'appelle Titan, qu'il a présenté là au concours Atari Gamer cette année, qui est un jeu en plus qu'il a fait à la dernière minute, parce qu'au départ, il était commencé sur autre chose, et pouf, il a fait un jeu de Tank. Si je peux dire un jeu, là, sur les deux derniers jeux, là, donc le jeu de Lawnmower et, le précédent, donc On Duty. Ils sont de la team OCO, et la team OCO, alors peut-être que je vais dire une bêtise, hein, mais donc c'est une team ouverte où en fait ils cherchent des contributeurs, des gens qui sont intéressés, etc. Et il y a notamment un des membres qui s'appelle Mars, si je ne dis pas de bêtises, qui est graphiste, qui a beaucoup d'idées de concepts de jeu, et qui cherche régulièrement des programmeurs. Récemment, il a balancé sur Atari Edge plein de work in progress comme ça, Rolling Thunder, Bug Hunt, Bomb Jack. Mais c'est plus des mock-ups, et voilà, c'est pour lancer des projets. C'est clairement le graphiste qui est très bon dans ce qu'il fait, mais qui ne peut pas programmer ou qui n'a pas envie, j'en sais rien. Mais qui, lui, ce qui l'intéresse, c'est de monter une petite équipe et de collaborer sur un jeu. Donc, je sais qu'il a. Il bosse sur plusieurs projets avec différents programmeurs. Donc, si un programmeur, par exemple, est intéressé pour se mettre à la Lynx, mais aimerait trouver un graphiste, je lui conseille, par exemple, de se tourner à Team OCO, de contacter Mars sur Atari Edge et de voir avec lui, quoi. Je sais qu'il justement, il cherche constamment des programmeurs parce qu'il a au moins 10 projets en tête. Yes, bonne annonce. Donc, si vous connaissez... dans le chat, n'hésitez pas, ça peut faire toujours quelque chose, même si vous regardez la vidéo en replay, que ce soit sur YouTube ou Twitch ou autre, ça peut toujours être bien de passer ce contact, du coup. Dr Ludos et Lord Kraken, le futur, en fait, pour vous, du dev sur Atari Lynx, ce serait quoi, en fait? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire, on va dire, sur la plateforme, ou qu'est-ce que vous avez en tête pour les prochaines années, en fait? Je ne sais pas qui veut commencer, ou alors il n'y a peut-être pas de projet en cours, je ne sais pas. Docteur Ludos, tu veux dire? Alors oui, du coup, là dans l'immédiat, je n'ai pas de grosses annonces à faire. Ouais. Après, sinon,
un projet qui me tiendrait à cœur, mais qui voilà, qui serait pas un projet qu'on pourrait faire en un mois ou deux mois, bah, comme ce qu'on peut produire pendant des concours. Je trouve que la Lynx est assez mal dotée dans un genre qui me plaît beaucoup, le beat'em up ou beat'em all, hein, petite dédicace. Ouais, ouais, carrément. donc voilà, j'aimerais, voilà, je pense qu'il y aurait matière, même s'il y a des genres qui sont très, enfin voilà, on a par exemple un Double Dragon qui est très joli, mais qui est beaucoup moins sympa manette en main. On a Kung Fu qui Ouais, on n'a pas entendu la fin. Allô. Ah oui. Ouais, petite coupure de la fin de ta phrase. Allô, oui. Non, ouais. D'accord. Je disais voilà, qu'il y a déjà des beat'em up sur Lang, mais je pense qu'on pourrait en faire, voilà, qui sont très beaux en termes de graphisme, ouais. Mais qui ne sont pas forcément si marrants que ça, manette en main. Donc voilà, un projet qui me tiendrait à cœur, mais voilà, qui, voilà, sur du temps plus long, ça serait voilà, de faire un beat'em up sur Lang. Donc okay. Peut-être dans un an ou deux, on verra, à voir. Ok, cool. Et ce serait quoi ton inspiration? Ce serait plus Final Fight ou Double Dragon? Tu partirais sur quoi? Alors, sur, en termes de gameplay, oui, bah forcément, c'est alors mes deux jeux préférés. Street of Rage 2 et The Punisher, donc quelque chose d'assez nerveux, mais aussi avec une palette de coups évoluée. Mais ça, voilà, c'est, après, ça c'est le rêve, après, il faut voir la réalité. Et en termes d'ambiance, j'aime bien les ambiances futuristes, robotiques avec des mechas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Armored Warriors sur. Sur CPS2, jeu d'arcade, voilà, donc avec des gros robots qui s'éclosent et qui peuvent changer d'arme et tout ça, voilà, plutôt dans ce genre d'ambiance-là. Mais pareil, ça c'est l'idée. Après, on verra si on aboutit à quelque chose qui ressemble à cette idée ou pas. Yes, cool. Et toi, alors, Kraken? Figurez-vous que. Je suis en train de faire un beat'em up. Non, pardon. Ça m'est aussi passé par la tête parce que clairement. Bah sur Lynx, comme il disait, comme Dr. Ludo disait, il y a quelques jeux. Hein, il y a donc le Kung Fu des Double Dragons qui sont quand même pas terribles. Ils sont jolis, hein, mais ils sont vraiment pas terribles. Ouais. Et le seul qui est plutôt sympa, c'est Ninja Gaiden, le premier. Je pense que c'est quand même bien vieilli. Mais il y a clairement un manque. Pour moi, le problème du beat'em up, enfin, de faire un beat'em up maintenant, aujourd'hui, sur Lynx, c'est de trouver un graphiste qui va passer beaucoup, beaucoup de temps, qui va devoir vraiment s'investir. Parce qu'il y a quand même énormément de sprites, d'animations à mettre en place. Après, techniquement, ça serait intéressant parce que c'est le genre de jeu qui va manger beaucoup, beaucoup de mémoire, donc il va avoir une tonne d'optimisation à faire. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, s'il y a un graphiste qui vient, qui nous dit voilà, ça c'est le graphiste, il y a 15 ennemis avec toutes les animations, etc., allez-y. Mais voilà, ça, si tu ne ris pas les graphismes d'un jeu existant, c'est compliqué. Et le problème, moi, personnellement, enfin voilà, même si je suis toujours en train de faire un clone de Bomberman, j'essaye de m'éloigner autant que possible du matériel original parce que j'ai pas envie que le jour où le jeu il est fini, il est génial, les gens me disent ouais, quand est-ce qu'il sort, et ben que tu te dises mince, en fait, tu peux pas le sortir en fait. Enfin, tu peux, mais tu vois, t'as le risque que t'es un tel ou un tel qui tombe dessus en te disant c'est quoi ça. Et donc voilà, j'ai pas envie de tomber là-dessus. Donc à part Bombercast que je vais finir parce que voilà, maintenant je pars que sur des IP originales. Et donc voilà, donc pour répondre plus précisément à la question, pour moi le futur c'est sortir Odin Nexus début d'année 2021, Bombercast en fin d'année 2021, et après c'est de retourner à The Inside World avec donc le même graphisme que sur Odin Nexus d'essayer de faire avec. Mes modestes talents aussi bien que possible pour rendre hommage à Another World qui, comme je disais, vraiment le jeu de cœur. Ton jeu de cœur, quoi. C'est ça. Et sinon, il ne faut jamais être à court de projet. En fait, j'ai un moteur en simili 3D à la Outrun avec route texturée qui fonctionne du tonnerre. Et le second jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie de jeune gamer, c'était Top Gear sur Super Nintendo qui. Ouais. Des raisons incompréhensibles étaient mal reçues par les critiques à l'époque, mais que j'adorais, et qui en fait a un culte dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud. Il y a eu un remake non officiel qui a été fait il y a quelques années qui s'appelle Horizon Chase. Et voilà, moi, mon idée, c'est qu'il n'y a pas de Outrun sur Lynx. Il n'y a que Checkered Flag qui est plutôt pas mal, mais sinon, il n'y a aucun vrai jeu de course. Et il n'y a surtout pas de Outrun. Et voilà, avoir quelque chose de la teneur de Top Gear. Avec les capacités de la langue, je pense qu'on peut faire quelque chose de très 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 sympa. Donc pour ceux qui aiment Chase d'ailleurs, qui est dispo sur à peu près toutes les plateformes, hein, qui est un jeu indépendant, donc qui effectivement s'inspire des jeux de voiture de l'époque 16 bits, et qui est vraiment à faire absolument. Il est absolument excellent en fait. Ce jeu, vraiment, il est remarquable.
Je me demandais aussi au niveau des. On n'a pas trop parlé d'édition physique des titres. Comment ça se passe en fait quand tu as un titre, tu veux l'éditer en cartouche, si possible avec la plus chouette jaquette, avec une notice, etc. Quel est le cheminement et combien ça peut coûter en fait quoi. Enfin, est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça coûte quoi déjà de base. Ça dépend des projets. Non, pardon, vas-y, Krakan, désolé. Alors, concrètement, j'ai donné des nombres, comme ça sera plus simple à réaliser. En gros, si tu pars sur un jeu qui n'est pas inspiré d'une licence connue ou qui n'est pas d'un genre qui est forcément très, très vendeur, alors par exemple, Puzzle Game, c'est pas ce qu'ils ont en plus ou ce qui est. Il faut savoir une chose avant tout, hein, c'est que le marché Lynx, en gros, c'est à la France, où tu as bizarrement beaucoup de gens qui sont intéressés. On va dire la moitié des programmeurs mondiaux sont français. Mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Et devant la France, tu as les États-Unis. Pour avoir parlé un petit peu avec Songbird, etc., en gros, c'est 95% de ses ventes, ce sont les États-Unis. Donc, quand tu fais un jeu avec la perspective d'en vendre un certain nombre, il faut que ça soit quelque chose qui plaise aux Américains. Et les Américains, les rétro gamers, c'est jeux d'arcade. Donc, si tu ne viens pas avec un jeu d'arcade typique des années 80, tu vas en vendre beaucoup, beaucoup moins. Donc maintenant, pour revenir à la question, si tu fais un jeu où tu penses que tu vas en vendre, je ne sais pas, disons 20, 30, clairement, tu pars sur une production complètement en brousse, c'est-à-dire de faire les cartouches, faire les cartouches toi-même, imprimer tes cartouches 3D, commander des PCB à Carry. Alors un PCB chez Carry, c'est 4 euros le PCB. L'impression de la cartouche, alors ça dépend si tu as une imprimante chez toi ou pas, mais en gros, on va compter 1 euro. Donc tu as 5 euros pour avoir le produit physique, et puis tu rajoutes un petit sticker dessus, allez, 20 centimes. Donc tu as 5 entre eux, pour faire simple, on va dire 6 euros pour avoir une cartouche physique. Et derrière, il te faut une boîte, un manuel. Mm-hmm. Donc si tu veux un truc de qualité correcte sur du papier. Glacé, quoi. Mais assez épais. Je crois qu'on avait regardé ça justement avec Fedus à l'époque. Je crois qu'on arrivait donc pour avoir un petit manuel et une boîte, c'était entre 6 et 8 euros. Donc il faut compter entre 12 et 15 euros pour avoir un produit physique chez toi, auquel tu vas rajouter des frais de port, la possibilité que le PCB il fonctionne pas. Enfin, il y a toujours des petits soucis comme ça. Ouais. Donc en gros, il faut compter 20 euros par cartouche pour être tranquille. Tu vois. Donc, si tu le vends 30 euros ton jeu, tu fais 10 euros de marge, ce qui te permet de te payer. Enfin, tu vas pas faire grand chose avec ça, mais ça te permettra par exemple de rembourser entre guillemets ton programmateur, ce genre de choses. Mais voilà, donc entre 15 et 20 euros si tu fais ça chez toi et tu te vends le jeu 30 euros et t'es pas perdant. Si tu pars sur des plus grosses quantités, là clairement, je recommanderais de bosser avec des gars qui ont. Déjà une certaine reconnaissance et des canaux de distribution. Et pour ça, tu avais Berlo en Allemagne, en dehors du business, on va dire. Et donc, il reste Songbird et Atari Age. Donc, ça dépend du jeu, on va dire. En gros, Songbird a une réputation d'être un petit peu dur en affaires, de vendre ses jeux un petit peu cher, c'est pas complètement faux. Et puis à ça, il faut rajouter le fait que quand tu commandes un jeu aux États-Unis, les frais de port sont hallucinants. Hein. C'est une simple lettre, c'est 20 dollars, un paquet, c'est 40 dollars. Enfin, du coup, tu vois, ton jeu, ça devient vraiment très, très cher. D'accord. Mais par contre, il a vraiment augmenté la qualité de ses productions. Enfin, les derniers jeux qu'il a sortis, les Bignacs et compagnie, où maintenant ça sort en boîte avec des cartouches produits, non pas avec une imprimante 3D, mais avec. On ne peut pas le nom du procédé, mais c'est injection plastique, quoi. Injection, voilà, merci. Niveau qualitatif, c'est vraiment pro maintenant. Et Atari Edge, je pense, va passer la barre encore plus haut. Et après, derrière, c'est un contrat, sans donner vraiment les détails, hein, c'est un contrat avec l'éditeur où, en gros, il va te donner un pourcentage sur la vente de chaque cartouche. Quoi. D'accord. Voilà. Et là, sur Lynx, on va rester sur le sujet de la Lynx. Les plus forts tirages de homebrew physique, en édition physique, c'est combien quoi? C'est 1000 pièces ou plus, moins? Je pense que c'est 1000 pièces pour Zaku. Je pense que c'est le best-seller de la Lynx. Ils ont fait 3 tirages de mémoire, c'est 400, 300, 300. Je pense qu'aucun jeu n'approche Zaku en nombre d'exemplaires. Enfin, les autres jeux, j'avoue,
Ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. Allô. Non, non, mais les autres jeux, j'avoue, j'ai aucune idée de. Enfin, bah, voilà, j'en ai pas encore fait sur Lynx, donc je sais pas. Voilà, c'est les tirages qu'il y a. Je pense que si c'est comparé à d'autres machines, quand tu es sur des productions, voilà, un peu amateur ou amateur plus, quelque chose qu'entre 50 et 100 exemplaires, c'est déjà très bien. Enfin, moi, je sais que personnellement, un jeu qui arrive à faire 50 exemplaires, c'est un succès, hein. D'estime, mais c'est un succès. Et voilà, donc après, comme le disait, voilà. Kraken, si tu veux faire des jeux qui arrivent à peut-être 300, 400 exemplaires ou des trucs comme ça, il faut vraiment voilà, des productions quasi professionnelles, quoi, enfin, voilà, du niveau de Zaku. Ou, voilà. Après, même Audi Nexus, je pense qu'il a un bon potentiel, par exemple, pour faire voilà, plusieurs centaines d'exemplaires sur Lynx. Voilà, c'est un jeu qui, je pense, en a le potentiel. Ok. Ouais. Là, je pense que c'est à peu près ça. Hein. Zaku est clairement le best-seller. Je pense qu'Alpine Game ne doit pas être si loin que ça, parce qu'il est sorti bien avant, il y a quand même eu 3 tirages aussi, mais on n'a pas les nombres. Pour avoir des infos un petit peu, enfin voilà, des infos spéciales, je pense que sur les meilleurs homebrew qui sont sortis jusqu'à présent, donc en dehors de ces deux-là, c'est quelques centaines d'exemplaires. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des tirages monstrueux. Maintenant, si on vient, bon, clairement, le Mortal Kombat, s'il sortait, bon, il ne sortira pas, hein, parce que bon, c'est Mortal Kombat avec la licence, elle est encore, voilà. Elle est encore actuelle. Et puis, de toute façon, je pense que ce qu'on a vu, c'est une démo de fou qu'ils ont fait. Mais pour que le jeu, entre ce qu'ils ont montré et avoir un jeu fini avec plusieurs persos, tous les special moves, etc., il doit y avoir encore une tonne de taf. Et je ne pense pas qu'on verra une version finale du jeu. En particulier parce que il serait pas vendable, mais dans l'hypothèse où il y aura un Mortal Kombat fini qu'ils peuvent distribuer, là je pense que là ben, clairement n'importe qui a une Lynx achète le jeu. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Là, c'est clair. Vraiment, c'est clair. On passerait les 1000 exemplaires sans souci. Hein. Mais sinon pour le homebrew classique, je pense que si tu sors un jeu qui vend à allez, 500 exemplaires, c'est champagne. Quoi. Enfin, ah oui, c'est un best-seller. Guillaume, au niveau des autres plateformes en homebrew, tu penses que c'est supérieur? Enfin, oui, j'imagine quoi. Peut-être sur Coleco, c'est variable, mais je trouve que ça, rien que les chiffres de Zaku, ça me paraît déjà énorme hein, oui. Pour une console comme la Lynx. Parce que oui, je crois que c'est pas des grands tirages hein, sur les autres machines. Je crois que c'est un peu du même acabit. Je pense que après, j'imagine peut-être sur les consoles comme la Mega Drive ou les trucs comme ça, peut-être les Xenocrisis, comme c'était fait via Kickstarter. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup d'exemplaires. Mais c'est un peu particulier quoi. Bah, pareil, je pense aussi les jeux sur NES doivent avoir pas mal d'exemplaires. Mais souvent ça passe par Kickstarter systématiquement quoi. Ouais. Pour donner des exemples de best-sellers sur les plateformes, bon, les deux plateformes peut-être les plus populaires en nombre de copies, c'est la NES et la Mega Drive, hein, je pense. De mémoire, les plus gros succès, tu as Micromage, c'est 4000 cartouches, il me semble. Donc là, c'est vraiment. Sur NES, donc. Ouais, sur NES, voilà. Et Tanglewood, de mémoire, il en a fabriqué, puisqu'il a fabriqué à la main une par une, et il en a fait 900, je crois. Donc, ce qui est déjà énorme aussi. Donc voilà, c'est même sur des consoles très populaires, voilà, c'est vrai que Zaku, à part 1000 cartouches pour une console, moins connu par exemple que la NES, c'est très bon. Ben, je pense que ce qu'on disait en début d'émission, la Lynx a une scène homebrew très active du côté des programmeurs, mais aussi du côté des joueurs. C'est-à-dire que voilà, les gens ils sont contents d'avoir des nouveaux jeux pour leur console, surtout quand on vient combler des manques ou voilà, faire des jeux qui n'existaient pas avant. Alors sur la NES, la librairie est finalement tellement immense que voilà, c'est Non, puis encore une fois, il arrivait à une époque en plus où la scène homebrew, de manière générale, n'était pas si développée que ça. C'était vraiment, vraiment hallucinant. Quoi. Question là par rapport à effectivement la démo très impressionnante de Mortal Kombat. Pour ceux qui ont des Everdrive ou qui souhaitent s'en procurer sur la base des conseils que vous avez promulgués, ça c'est téléchargeable du coup la démo ou pas? Oui, ça se donc, trouve sur le site d'Atari Gamer. Ok, on peut mettre cette démo dans sa Lynx et puis et tester ça. Quoi. Tout à fait. Ok. Trouver un fan de Game Gear et lui montrer. Voilà. Oui, et le regarder pleurer après. Non, mais c'est vrai que techniquement, elle est intéressante, cette machine. Bah, on le savait déjà à l'époque, même si elle ne marchait pas, pour moi, principalement en raison du fait qu'elle a été boudée par les développeurs japonais. Hein, et ces derniers étaient incontournables quand même dans les années 80-90 et même 2000. Ça a été bon, une des principales raisons, on va dire, du succès en demi-teinte, pour ne pas dire de l'échec. Quoi. Mais sinon, techniquement, à l'époque, on voyait bien dans les magazines que les journalistes nous expliquaient que c'est vraiment une machine qui avait des
ses capacités, quoi. C'était pas du tout, elle était bien bâtie, quoi, au plan purement technique, quoi. C'est clair. Et ça me fait penser, je sais pas, je l'ai dit pendant l'émission, l'anecdote sur Mortal Kombat, ou c'était avant qu'on enregistre? Je crois que c'était avant qu'on enregistre. Pour ceux qui sont arrivés en fait, on a découvert récemment qu'apparemment des développeurs avaient suggéré, justement, enfin on ne sait pas qui exactement, avait suggéré à Atari d'avoir Mortal Kombat sur Lynx. Et en fait, Atari avait décliné en disant non, mais ça va, on a déjà Pit Fighter dans ce genre. Voilà. C'est pas la peine. Pas la même catégorie. ouais. C'était aussi des images digitalisées, mais c'était c'est, pas voilà. c'est pas commun. Après, c'est oui, c'est, manette en main, Pit Fighter. Bon voilà, la version arcade est sympa. Ouais, ça a été vite balayé, vite nettoyé. Non, mais c'est vrai que oui, malheureusement, la stratégie d'Atari à l'époque était pas fabuleuse, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. J'avoue. Ils avaient pas plus la puissance marketing d'un Nintendo ou même d'un Sega. Voilà, c'est sûr. À cette époque-là, ils ne se battaient pas avec les mêmes moyens financiers. Voilà, c'est ce qui est dommage parce que le matériel était bon. Il y a quelques jeux, enfin même plus que quelques, il y a pas mal de jeux très intéressants dans la Ludo Clash Lynx. Mais voilà, je pense que le marketing n'était pas au niveau de la technique et même des jeux, quoi. Clairement. C'est dommage. Lord Kraken, tu disais que tu bossais dans le jeu vidéo, donc d'actualité, on va dire. Tu peux dire pour qui tu bosses ou c'est secret défense ? Je peux dire pour qui j'ai bossé. Ouais. J'ai bossé pendant un paquet d'années à King, notamment sur Candy Crush. Je suis sincèrement désolé pour ça. Est-ce que tu envisages un portage sur Lynx un jour ou non ? Ah purée. Et si je pouvais vous montrer mon écran, j'étais en discussion avec. Alors il faut savoir qu'en fait la Suède. Moi ça fait presque 8 ans que je bosse en Suède maintenant. En fait la Suède et en particulier Stockholm, c'est vraiment c'est la mecque du développement de jeux vidéo en Europe. Hein. C'est tous les studios sont là. Enfin il y a des développeurs dans tous les sens. C'est assez hallucinant. Ouais. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment. Et le producteur original de Candy Crush, donc le mec qui gérait l'équipe, hein, en fait, est un ancien demo maker Amiga, graphiste, qui a, j'ai découvert ça aujourd'hui, qui faisait partie de la team hybride. Alors pour ceux qui pirataient les jeux dans les années 90, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bon, enfin voilà, c'était le groupe qui mettait un paquet de jeux à disposition. Et en fait, ce gars-là, je lui parle tout à l'heure et je lui dis, tiens, j'ai fait un live sur la Lynx, etc. Et il me dit, ouais, la Lynx, c'était vraiment sympa et tout, j'aurais bien aimé faire des trucs. Et il revient vers moi, quoi. 2 heures plus tard, il fait, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Et en fait, il m'envoie son concept Candy Crush pour la Lynx, avec un mock-up à la palette, etc. Et le truc, c'est juste, quoi, tu vois. Et bref, tout ça pour dire, donc j'ai bossé là-dessus. Ensuite, j'ai passé 2 ans à Ubisoft, notamment sur le jeu Avatar qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Et donc là, je bosse pour un concurrent d'Ubisoft, dont je tairai le nom. La raison principale, c'est dans le monde du AAA, les éditeurs ne sont pas vraiment enclins à laisser bosser leurs employés dans leur temps libre sur des projets annexes. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Ils ont peut-être peur qu'ils leur volent leur technologie ou alors que tu passes trop de temps sur ton jeu et pas sur ton taf, mais bon, à partir du moment où tu fais du homebrew tranquillement en amateur, je pense pas que ça pose de problème. Yes. Mais voilà, c'est voilà. Bon. Après, je vous laisse chercher, hein. Il y a des gros non. En plus en Suède on voit bien, enfin bref. Bon, bah les gars, vous pensez qu'on a fait le tour, vous voyez d'autres trucs à rajouter ou on ne tarde pas à se quitter là-dessus. Faites des jeux Lynx. Voilà, achetez des Lynx aussi. Du coup, combien coûte une Lynx là, sur le marché de l'occasion ? Fonctionnelle, bien sûr. Une bonne centaine d'euros. Si tu as de la chance. Voilà. Après, il y a les vide-greniers, mais ça, c'est aussi si tu as de la chance et si tu te lèves tôt aussi. Voilà. Et oui. Puis après, sur le problème des Lynx, mais ce n'est pas que spécifique à cette console. On a aussi ça sur Game Gear et tout ça. C'est des consoles qui visent pas forcément très bien, donc voilà, des fois vous pouvez en acheter une et tester qu'elle marche avant de l'acheter, quoi. Les problèmes récurrents sur la Lynx ? Il y a beaucoup de problèmes sur les écrans qui peuvent se devenir beaucoup plus faibles en luminosité. Ils sont assez tu vois des pixels morts aussi sur les écrans. Il y a beaucoup de consoles qui démarrent pas pour plein de raisons. Alors là, ça dépense mes compétences en électronique, mais des fois il y a des condensateurs à changer ou des trucs comme ça, de ce que j'ai pu lire.
comme sur Game Gear, quoi, pour le coup. Et donc, comme sur Game Gear, c'était un écran avec rétroéclairage néon, si je ne dis pas de bêtises. Sauf faire de ma part, oui. Voilà, oui, il me semble. Hein. Et justement, on n'a pas parlé, d'un autre élément qui, je pense, explique aussi le re-succès de la Lynx, ou en tout cas le fait qu'elle est toujours d'actualité, ben, c'est l'existence d'écrans modernes de remplacement cette console. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire, bon, notamment les plus connus, ça va être les écrans Tab Envelde et Macwheel, qui sont donc des bidouilleurs en électronique, qui ont recréé des nouveaux écrans qu'on peut mettre dans des Lynx d'origine. Et ça change complètement la vie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des couleurs un peu fades, ou les technologies d'écran des années 90, imaginez, vous mettez un écran d'iPhone devant Lynx, hein, pour caricaturer, mais il y a des couleurs très belles, c'est beaucoup plus réactif, il y a moins de rémanence, avec l'éclairage LED et tout ça, donc ça redonne une seconde vie à une Lynx, ouais. Et voilà, c'est une autre façon d'apprécier. Alors, j'en ai pas personnellement, mais j'ai déjà joué sur des Lynx modés, c'est une autre façon. C'est le jour et la nuit, quoi. Premier du terme. Voilà, c'est que ça éclaire beaucoup plus. J'ai modé une GBA SP du coup avec un écran IPS. J'ai mis le tuto donc sur ma chaîne YouTube Rétropolo. Et effectivement, le avant-après, c'est hallucinant, quoi. Mais je veux dire, les jeux, tu ne les reconnais pas, quoi. C'est impressionnant. Franchement, tu redécouvres tes jeux, quoi. Mais c'est à ce point-là. Hein. C'est vraiment juste en changeant la matrice d'affichage. Quoi. C'est pareil sur Lynx. Alors, à ce sujet, sur les écrans, il y a un truc très intéressant qui vient juste de sortir. Ça doit durer de 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Ouais. En gros, il y a eu un premier écran qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Macwheel, qui, je pense, relativement connu sur la scène, parce que c'est pas le premier écran qui sort, mais qui était un peu compliqué à installer, voire très compliqué. Fallait vraiment quelqu'un qui s'y connaisse en électronique en soudure pour l'installer. Et l'écran n'était pas donné, ça doit être 100$, quelque chose comme ça. Et il y a peut-être maintenant un an et demi, deux ans, il y a un autre écran qui est apparu, qui est de Ben Venn, qui est un développeur australien, il me semble, qui fait des écrans rétro pour Game Boy, Game Gear, etc. L'écran est bien moins cher, hein, je crois que c'était $60 seulement que je l'ai payé. Et il fallait toujours souder quelques composants, mais ça devenait accessible. Donc, pour moi, c'est celui que j'ai pris et que j'ai fait. Ouais. Et là, ce Ben Venn vient juste de sortir un écran solderless, donc sans soudure. Waouh! Classe! On enlève l'écran d'origine, on met celui-là, on plug la nappe et c'est parti. Donc, et pareil, il est vraiment pas très très cher, ça doit être $60, quelque chose comme ça. Intéressant. Tu rappelles la référence? Si vous avez une Lynx où les couleurs commencent vraiment à pâlir, ça peut être une très bonne option. Et autant j'adore jouer sur l'hardware d'origine, autant les écrans d'époque, ça devient très très compliqué. Quoi. Ouais. Tu disais là la personne qui fait ça en fait pour se le procurer. C'est Ben Venn, B-E-2-N, V-E-2-N. Ils ont un site avec ok, super. Ça a été mis dans le chat. Excellent. C'est le même gars qui fait la cartouche El Chipo dont on a évoqué tout à l'heure, qui est donc la flash carte la moins chère du marché. D'accord. Ouais, le fameux Australien. Donc en ce moment c'est pas voilà. Toi. Voilà. Yes, Space Emule qui rappelle qu'il y a aussi une version solderless facile à monter sur Game Boy. Et du coup, sur Game Boy Advance SP, celle que j'avais faite, c'était également du solderless. Alors, je crois qu'il y a peut-être un truc. Alors, c'est un peu chiant avec ces écrans. Notamment, on les trouve sur AliExpress, quoi. Certains, tu n'as même pas de notice. Hein, ils te balancent ça comme ça. Et il y a sur Game Boy Advance SP, je crois, juste un point à faire, un petit lien en soudure à faire, avec un pont pour le réglage de la puissance du rétroéclairage. Mais je ne l'ai pas fait. Le truc par défaut est très bien. Et voilà, quoi. Mais le problème d'Ali, c'est qu'il te balance ça vraiment sans aucune référence. Quoi. Tu dois vraiment te débrouiller de A à Z. Quoi. Peut-être que c'est un peu mieux documenté du coup avec les écrans dont vous parlez là. Quand c'est acheté directement chez la personne qui les conçoit plutôt que la copie AliExpress, il y a moyen d'avoir quelque chose d'à la fois plus qualitatif et plus facile à monter. Oui, ce sont des clones, là, comme le dit Dragi Bustier. Tout à fait. Après, il y avait la question d'aller jusqu'à tuer la console. Ouais, donc mieux vaut acheter l'original. Bah, c'est un peu fin. Ouais, c'est un peu comme avec les Everdrive. On va pas dire que les Everdrive d'AliExpress font tuer la console, mais souvent c'est des vieux firmware pas à jour, etc. Bon, c'est pas top, quoi. Voilà. Et il y avait une question dans le chat de savoir s'il existait des clones chinois de Lynx, comme il y a des clones chinois de Game Boy. Bah, à ma connaissance, la réponse est non. Si vous voulez jouer sur Lynx, il vous faut une vraie Lynx. Voilà. Il faut une vraie Lynx, un émulateur, mais bon, c'est toujours une foule. Un émulateur, voilà. Toujours plus sympa de jouer sur la machine physique, quoi, en fait, hein. Ça c'est clair. C'est ça. Voilà. Surtout grâce aux Everdrive, et puis voilà. Bon, et du coup, on a fait le tour de la question. Vous voyez d'autres choses? Pour moi, je pense que c'est bon. Hein.
Yes. Bon, et ben, du coup, Lord Kraken et Dr. Ludos, merci infiniment d'avoir été parmi nous. C'est vraiment super cool d'avoir vos retours, vos points de vue par rapport à ces questions-là, puisque vous êtes vraiment aux premières lignes quoi, hein, du développement sur Lynx. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette émission, à tous les deux. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, très cool. Et puis, on se retrouvera peut-être pour d'autres émissions sur le sujet de la Lynx ou sur d'autres plateformes, puisque toi, Dr Ludos, comme tu l'as dit, tu développes également sur Mega Drive, Super NES aussi, je crois, tu disais. Bah, tu as pas mal de plateformes. On en parlera peut-être bien. Ouais. On en parlera bientôt. Je prévois un jeu pour les 30 ans de la NES, donc d'ici 20 jours. Voilà. Ok, cool. Et toi, Super NES, pardon. De la Super NES. Super, on verra ça certainement lors d'un live. Enfin, on verra avec Guillaume et du coup David comment on organise ça. Lord Kraken, toi, tu développes vraiment, au niveau homebrew, hein, j'entends, puisqu'on sait que tu fais aussi du AAA, comme tu l'as dit. Mais sinon, au niveau homebrew, uniquement sur Lynx ou sinon, il y a d'autres plateformes qui t'intéressent également ou sur lesquelles tu as déjà développé Alors, j'avais commencé à faire des petites expérimentations sur Super Nintendo. Ouais. Mais non, là, c'est vraiment que la Lynx. Par contre. Ouais. Clairement, j'ai une grosse motivation d'essayer de faire quelque chose sur Jaguar. Et là le challenge technique est déjà beaucoup plus intéressant, parce qu'au niveau, plus intéressant. Donc, j'aurais dire beaucoup plus relevé. Parce que là, pour le coup, il y a d'autres obstacles. La machine est quand même plus complexe. Les outils de développement, ils existent, mais c'est là, il faut toucher à l'assembleur. Je me le garde pour plus tard. J'ai déjà fini mes projets. Ok, cool, intéressant. Merci à toi aussi, Guillaume, du coup, pour le récap des news et pour avoir vraiment préparé cette émission avec sérieux comme d'habitude. C'était intéressant. Puis pour l'historique aussi, du coup, du développement homebrew sur Lynx, qui était très intéressant également. Oui, il faut que je remercie Atari Gamer d'ailleurs, hein, parce que je me suis beaucoup servi de ce site de référence, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme tu animes le mag, tu avais déjà des connaissances en la matière avant de commencer à ta recherche documentaire, quoi. Donc c'est top. Merci également à la technique, à Benoît, donc, pour avoir géré tout ça depuis le début et avoir jonglé avec son petit OBS, et même avoir développé carrément un logiciel qui gère les vidéos dans OBS, ce truc de fou. Merci également à Georges pour la modération, The Other Day pour les musiques, notamment le générique intro et fin, et puis également à David aussi pour l'organisation, et à vous tous bien sûr de nous avoir suivis au cours de ces 2 heures de live sur le développement homebrew sur Lynx. Et salut à tous et à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao. Salut.